le sionisme est-il un impérialisme ou seulement un nationalisme juif? quel est le fantasme? quelle est la réalité? un débat? deux experts? l'essayiste serge federbuch et le docteur en sciences politiques pierre hilard. vous êtes bien sûr géopolitique profonde. c'est parti. Nous sommes en guerre. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. C'est la chaîne aussi où ça se passe, où le débat se passe, où les sujets s'entrechoquent, les débats d'idées s'entrechoquent. Et c'est ça l'objectif de Géopolitique Profonde c'est qu'il n'y a pas de tabou chez nous, il n'y a pas de liste noire de gens qui ne peuvent pas venir, il n'y a pas de liste noire sur les sujets sur lesquels on va débattre. Alors aujourd'hui vraiment, mmh, mmh. euh, j'ai, euh, faut, faut le dire, hein, là je vais être l'arbitre d'un immense débat que vous me réclamiez tous, c'est-à-dire euh, sur ben, la question israélienne, euh, sur le sionisme, sur la question géopolitique du Moyen-Orient. Et ben, euh, ben on l'a fait, voilà. On a fait ce que vous avez demandé et on a amené. Euh, de gros experts, de grands experts, si je puis dire. et là, vraiment, j'en suis assez fier. ils sont là, ici, en plateau. alors, je vais commencer. Euh, à ma gauche, par serge federbuch, essayiste, éditorialiste, il a écrit sur delanoë, sur hollande, sur charlie hebdo. et son prochain livre, il est là, le sabre et l'esprit, comprendre le nouveau désordre mondial aux éditions de passy. comment ça va, serge? Excellemment. Mike, surtout ce soir quand je te vois et quand c'est un plaisir hein. de retrouver tes auditeurs. Bah, c'est gentil d'ailleurs, tu es assez régulier ici pour le ouais. coup et, euh, et euh, on aime bien ta voix parce que tu apportes quand même une touche d'expertise. Euh, je J'essaierai de ne pas te décevoir ce soir. Ah bah, mais non, euh, je sais bien, j'ai le haut niveau, j'ai le gratin, donc forcément je sais, euh, avec vous deux évidemment, euh, le, sabre, le sabre et l'esprit, euh, en deux mots, qu'est-ce que c'est c'est en fait l'idée que les désordres actuels reflètent l'opposition entre le modèle de la mondialisation et celui de l'État-providence, qui se retrouve un peu partout dans le monde, hein, puisque l'État de grande puissance, qu'elle soit prétendument libérale ou pas, peu importe, entend défendre les intérêts d'une population et pas seulement les intérêts je dirais, militaires, mais également assurer un certain bien-être. Donc c'est l'État-providence. Et puis, il euh, y a le modèle de la mondialisation qui est un modèle plus fluide ou d'individus qui, en fait, euh, se déplacent de pays en pays. Et l'idée, c'est que ça explique une grande partie des désordres actuels, euh, l'opposition entre ces deux modèles, mais surtout, et le travail, ça m'a donné du, du fil à retordre, le travail que j'ai effectué, c'est de montrer que cette opposition renvoie à quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est à l'origine pratiquement des sociétés humaines, justement, entre un modèle d'organisation sociale, que j'appelle le territoire ethnique, où donc il y a un lien entre une population, un territoire, une protection sur ce territoire de toute nature, et puis également un modèle de, de circulation des hommes que j'appelle l'homme-monde et qui est sans frontières et que ça explique une grande partie, non seulement des, des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, mais également de, de, depuis même l'Antiquité, euh, des, des difficultés ou des heures de gloire qu'ont qu connu les grands États, les grands empires, et que ça peut aussi nous aider à comprendre ce qui peut nous arriver dans le futur. Donc, voilà. euh, c'est un sujet euh, assez intéressant. On vous recevra, technique. on vous recevra en tout cas pour en parler. Et euh, j'imagine que c'est très sourcé, très travaillé, comme toujours. Ça m'a donné beaucoup de travail. Oui. Merci beaucoup, cher Serge. Cher Serge, j'adore le dire. Bah oui, oui, oui. C'est pour moi une sorte d'entraînement. De, de, si, si tu le dis dix fois de suite, tu as le droit de revenir comme présentateur pour voilà. la prochaine émission. Bon, déjà mille personnes, déjà mille personnes en l'espace de trois minutes. Merci à vous. Et à ma droite, Pierre Hillard, docteur en sciences politiques. Il a écrit sur le mondialisme, son best-seller « Sionisme et mondialisme, le sionisme de ses origines au Troisième Reich » et le dernier bouquin, « La géopolitique », sur la géopolitique russe des romans. Dites-nous tout le titre, hein, pour le coup. Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine. Et en fait, c'est l'avant-dernier livre puisque oui. je viens de sortir il y a dix jours de ça. D'accord. Une réédition d'un livre qui est tombé dans le domaine public, les mémoires du vicomte de Gontobiron, qui était le premier ambassadeur de France après la défaite à Berlin, après la défaite française à Sedan, on iii en trois. Et ces euh, mémoires sont sortis après sa mort en 1906. Et j'ai fait une très longue préface de plus de 40 pages. Et je me suis appuyé sur des documents euh, d'époque, les lettres de Bismarck, euh, le banquier de Bismarck, Bleichröder, d'ailleurs on le voit sur la couverture, il y a Bleichröder, Bismarck, Adolphe Thiers et le vicomte de Comte aubiron Et c'est très moderne et on apprend plein de choses. Et en fait, euh, l'évolution du mondialisme, on a une photo de cette époque. Et je me souviens, quand, quand j'ai lu euh, le, le vieux livre au papier fragile de 1906, je me suis dit, ce livre-là doit être réédité, il plutôt enfin book edition, et on peut l'avoir soit sur mon compte X, soit sur mon compte Instagram. Voilà. Donc sur book edition, pourquoi l'auto-édition et pas... Euh... Parce que je voulais qu'il sorte vite. Voilà, on le voit, regardez. Voilà. Il est là, ah, tout de suite, vous avez vu comment on voilà. est réactif Ah oui, merci Voilà, la les régie. mémoires de compte Obiron. J'ai voulu euh, parce qu'on vit une époque où les choses vont très vite, sont instables et je me suis dit, tant qu'il y a une certaine stabilité, profitons et accélérons la chose pour qu'il qu sorte et qu'il soit diffusé. Il est très moderne en fait, c'est ça, il est Qu'est-ce qui qu qu le rend moderne Bah en fait... Euh... La bagarre en 1871 entre la franc-maçonnerie française et la franc-maçonnerie prussienne la française était plus progressiste que celle de la Prusse et le, la Franc-Maçonnerie française du Grand Orient présente en, en 1871 tout le programme qui annonce l'Union européenne, la gouvernance mondiale. Et la Franc-Maçonnerie prussienne était plus rétive. Et en fait, c'est une bagarre. Ils voulaient même, les francs-maçons français, poursuivre en justice maçonnique le roi de Prusse et son fils, qui étaient les dirigeants de la maçonnerie prussienne. Et tout le programme est extraordinaire, plus les fameuses lettres de Bismarck, euh, un mini-mémorandum où il y a tout le programme. Alors là, je me suis dit, il faut y aller. Merci beaucoup cher Pierre Hilard. Alors on va commencer ce débat mmh. avec une première partie qui est sionisme, mondialisme mmh. ou nationalisme. Mais avant ça, les petites annonces. Nous sommes L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement, et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique profonde a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Ne laissez pas l'oligarchie vous enfermer dans le communisme 2.0. Extraordinaire. Merci à vous, vous êtes déjà plus de 1200 rien que sur YouTube. Merci à vous pour cette <coughs> confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, spécial <coughs> Bitcoin. Vous cliquez sur le lien en description. Alors, on va commencer ce débat. <coughs> et il euh, y a quelque chose qui me taraude un peu quand même, c'est que euh, c'est une forme de débat un peu interdit qu'on n'a qu pas dans les grands médias. Est-ce que. L'un de vous, peut-être, vous commencez là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on interdit ce débat Pourquoi on n'entend pas les gens en parler euh, à la télévision Je ne suis pas sûr. Enfin, comme Je suis pas sûr qu'on enfin, vous... qu n'entende pas parler. On entend quand même souvent parler des questions de sionisme d'Israël, à l'occasion, bon, de récemment, des malheureux événements euh, à Gaza, donc en particulier, euh, et en Israël. C'est quand même un des sujets qui parcourt beaucoup le débat public. Alors, il y a peut-être un facteur qui est le fait qu'on a délictualisé, pas criminalisé, mais délictualisé le débat sur, d'ailleurs, presque à mon grand scandale. Le débat et la critique d'Israël ou du judaïsme ou du sionisme, moi, ça me dérange absolument pas qu'on critique Israël, le sionisme, le judaïsme de la même manière qu'on ça me dérange absolument pas que moi je suis assez très critique de, de l'islam, des musulmans. Ça me dérange pas non plus qu'on critique le christianisme, le catholicisme. Je suis pour une liberté de parole totale. Bon. Oh, c'est vrai que vous êtes un libéral. Ça, ça, euh, oui, ça, vrai. Je, je euh, vous connais, vous êtes un vrai y libéral. Il y, euh, y a différents aspects dans le libéralisme, comme il y a différents aspects dans n'importe quelle idéologie. Mais euh, ce qu'il y a de mieux dans le libéralisme, c'est justement, à mon sens, la liberté d'expression, qui est euh, quelque chose de, de, de substantiel et de consubstantiel au libéralisme. Parce que sans liberté d'expression, ben, on met sous le boisseau. Les haines, on met sous le boisseau les ressentiments et finalement tout ça finit par exploser. Donc c'est une excellente chose, à mon sens, que les gens puissent s'exprimer. Il y a des gens déguisés en Adolf Hitler qui, à Speaker's Corner à Londres, haranguent les quelques passants et puis leur disent qu'il faut détruire les Juifs à nouveau. Ça fait marrer les enfants, c'est comme Charlie Chaplin. Hein. Et puis voilà, ça n'a jamais permis au parti nazi anglais de dépasser les 0 ,5, 0 0,5 et 0,05%. Ce n'est pas la liberté d'expression qui pose problème, au contraire, la volonté de la tuer est toujours beaucoup plus problématique. Donc il euh, y a peut-être cette explication aussi dans le fait que le débat sur le sionisme ou Israël ou euh, que sais-je encore, qu'on va avoir et qui est intéressant, peut être entravé par la peur des conséquences pénales. Et c'est regrettable, c'est regrettable, parce que je pense que le sionisme comme Israël, dont je ne suis pas forcément un partisan acharné, hein, ni, dans un, ni de l'un ni de l'autre, eh bien, euh, mérite mieux que euh, le fait de se protéger derrière des règles juridiques absurdes. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Pierre euh, C'est juste, il faut parler de, de ces choses-là de manière ouverte. Il ne s'agit pas d'insulter. Euh, D'ailleurs, quand on parle des religions, qu'elles soient euh, musulmanes, juives, chrétiennes, peu importe, euh, je, je mets toujours mon point d'honneur à parler de ces sujets, mais de ne jamais enfin en tout cas de tout faire pour ne pas blesser les personnes. Je ne touche jamais aux convictions personnelles, c'est privé et je respecte cette liberté mais il y a des moments où on peut établir des comparaisons et souligner des faits dérangeants sans pour autant euh, euh, comment dire agonir d'injures et c'est sûrement pas mon cas. Il y a une chose qui a qui fait aussi qu'on a du mal à parler du sionisme, ce sont les dégâts commis par le nazisme. Car euh, les dégâts commis par le nazisme à l'égard des juifs, ah, ça fait que si on commence à critiquer le sionisme, donc vous critiquez les, les, les juifs, donc vous êtes en arrière-fond euh, plus ou moins sympathisant. Euh, je rappelle, et M. Fédor le sait très bien, qu'il y a des juifs anti-sionistes. Ça, ça existe. Mais euh, le problème, c'est que quelquefois, il y a des vérités. J'ai toujours aimé cette phrase de Jean Lafontaine, « L'homme est de feu mensonge, mensonges, mais de glace à la vérité ». Et le problème, c'est qu'on vit une époque, depuis quand même pas mal d'années, où il y a certaines réalités et vérités tout à fait sourcées, qu'on ne peut pas dire, par exemple, à l'université. Euh, faire une thèse sur, la, euh, par exemple, l'accord la, la de la Havara d'août 1933 entre nazis et sionistes, et qui a duré, ça m'a ça sidéré jusqu'en en avril 1941, aller faire une thèse là-dessus en France, c'est très très dur. Très Vous bien. avez essayé peut-être ben, En fait, ma thèse à l'origine, c'était sur la vision qu'avait l'Allemagne de l'Europe du Moyen-Âge, euh, jusqu'à l'Union Européenne. Et, euh, et ben, même là, ça, j'ai eu énormément de, de problèmes, parce que euh, ben, j'exposais je, que tous les, les textes clés de la construction européenne sont tous allemands, la Charte régionale mmh -mmh. euh... La, la, la régionalisation, euh, le, la fédéralisation de l'Europe a été décidée en 1987 hein, euh, par des réunions des, des gouvernements, enfin des, des lenders, et euh, la coopération transfrontalière pour les eurorégions. Et évidemment, là, on vous traite de germanophobe, mais non, je suis désolé, c'est allemand, c'est pas italien. Et, et en fait, mon souhait, c'est de pouvoir avancer des faits euh, les plus sourcés et d'échanger de manière posée de telle manière que ceux qui nous écoutent puissent avec les arguments de chacun, euh, avoir une idée et non pas les diatribes qu'on peut entendre à la télévision ou dans les médias actuels. Il y a aussi une chose euh, où les gens qui nous regardent ont euh, plusieurs dif, définitions, j'imagine, de ce fameux sionisme. Et j'aimerais que chacun de vous me dise euh, quelle est sa propre définition. Ah. Alors d'abord, le mot sionisme a été inventé par un juif autrichien aux années 1890 qui s'appelait Nathan Birnbaum. Le phénomène. Alors, il faut d'abord rappeler que le sionisme est né officiellement, donc, au XIXe siècle, à l'époque des nationalités. Donc, tout, tout ce qui est unité allemande, italienne. Et le monde juif n'échappe pas à cette règle-là. Enfin, une partie du monde juif. Parce qu'il faut toujours voir le monde juif comme un monde divers. Il faut surtout pas le voir comme un bloc. Il y a des rivalités internes. Euh, il y a ceux qui étaient favorables au rétablissement de Pérès-Israël, Terre d'Israël. D'autres qui s'y opposaient farouchement. Il y a eu ça, il y a eu le fait que le sionisme vient d'un homme euh, extraordinaire, voyez-vous, Theodor euh, Herzl, je l'admire, je ne partage pas ses, pas ses idées, mais son intelligence, sa personnalité, euh, son courage, sa psychologie, sa fragilité, il a un problème cardiaque, il est mort jeune, à 44 ans, en 1904. Euh, il est fascinant. Et il y a ce passage qui est absolument sidérant, qui, que j'ai mis dans le livre, euh, donc Sionisme et Mondialisme, où suite euh, au premier congrès sioniste, il dit, à Bâle, j'ai fondé l'État juif, certains riraient à de tels propos dans cinq ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. Ben, ce n'est pas 50 ans, c'est 51 ans, 1897, 1840, 1948. Admirons le côté prophétique de la chose. Et en même temps, le sionisme, voyez-vous... Herzl euh, était un adepte de Spinoza, qui lui-même a subi le RM, qui est la super, super excommunication. Euh, il, a, il a un côté rationaliste, Herzl, mais en même temps, il, il s'appuie sur tout l'arrière-fond euh, des 2000 ans d'histoire du judaïsme, avec ses rivalités internes. Et donc, le sionisme est un monde divers. Je dirais que le sionisme, est un messianisme à part avant laïque. Voilà, je dirais ça à peu près. Et même s'il y a des nuances dans certains cas, des variétés au cours des âges, mais il n'empêche que le fond est messianique, mais avec une apparence laïque dans le cas du 19e siècle, début 20e siècle, à l'époque d'Hersel. Votre définition, cher Serge. Alors d'abord, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a des juifs anti-sionistes, C'est vrai, mais ça me rappelle la fameuse réplique hein, de Gabin, euh, bon, avec. Euh, euh, dans un film, je crois que c'était le président, en fait, oui. avec les dialogues d'Odiar. C'est vrai, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Donc, malgré tout, il y a un attachement, d'accord, et ça, bon, c'est critiqué d'ailleurs par des gens qui sont antisionistes comme antisémites, euh, d'une euh, grande, grande majorité des juifs dans le monde entier à l'État d'Israël, parce qu'il y a un attachement. Euh, d'abord à ce que, bon, euh, à l'idée de refuge, de, de l'endroit où finalement des persécutés ont trouvé euh, refuge, et puis il y a aussi le fait qu'avec l'histoire, il y a pas mal de gens qui ont de la famille, des choses comme ça, qui ont voyagé, donc il y a cet attachement-là, l'attachement euh, attachement, finalement de gens qui reconnaissent dans un endroit une espèce de havre de sécurité. Alors, euh, essayez, j'ai lu euh, en grande partie votre livre, pas toutes les annexes et tous les développements, bon, j'ai bien senti que vous admiriez Ratzel, il hein. faut toujours d'ailleurs se méfier parfois de finir par... Euh, à tomber amoureux des gens qu'on prétend dénoncer. Ça, ça n'arrivera pas. <laughs> oui, méfiez-vous, méfiez-vous quand même, ça peut arriver. Et donc, c'est une forme particulière du complexe de Stockholm. Mais donc, le, euh, moi, je crois qu'avant tout, euh, bon, euh, réduire ça ou l'interpréter plutôt que le réduire pas euh, comme une forme de messianisme, c'est quand même prêter trop de je dirais d'ambition ou de continuité historique au sionisme, qui est vraiment une idée du 19e siècle hein, et du début du 20e, et qui était la constatation. Et Herzl, il a finalement commencé à euh, véritablement développer son action intellectuelle et politique au moment de l'affaire Dreyfus, quand il a vu les, euh, en fait, le fait qu'il y avait un, le mouvement des Lumières qui avait gagné euh, les Juifs, et qui a créé une espèce de sentiment d'optimisme. Chez beaucoup de Juifs qui étaient intégrés aussi bien en Angleterre qu'en Prusse en Allemagne et ensuite en, ou en France, qui étaient intégrés dans les différentes sociétés, qui avaient parfois des fonctions importantes. Il y a eu d'Israélis par exemple en Grande-Bretagne qui était pratiquement le meilleur ami de la reine Victoria et qui était Premier ministre et qui a joué un rôle très important dans l'histoire anglaise. Il y a eu des tas de gens. Bon, eh bien, ces gens-là se sont trouvés face à la réalité de la résurgence de l'antisémitisme dont ils pensaient que les lumières et leur intégration dans les différents États, dans lesquels auxquels ils appartenaient, avaient eu raison et que c'était fini. Et donc, ça leur a explosé un peu au visage l'affaire, bon, le, la résurgence de l'antisémitisme avec Drummond, par exemple, en France, la France juive et tout mmh. ça. Et donc, ils se sont dit, mais pourquoi finalement nous sommes en difficulté Comme c'était Concomitant avec la montée des nationalismes dans le monde, mmh. eh bien, ils se sont dit, euh, finalement, il nous faut nous aussi notre État. Donc, plutôt que de l'inscrire dans une espèce de, de messianisme qui parcourrait euh, le judaïsme depuis l'Antiquité, pratiquement, moi, je crois que c'est surtout un mouvement. Du 19e siècle et du début du 20e, qui est né de l'antisémitisme. C'est-à-dire que pour vous, je prends la, la, la définition là que j'ai sur Internet le sionisme est un mouvement national d'une partie du peuple juif visant la formation d'un foyer national juif en terre d'Israël. Oui, et puis d'ailleurs, il faut, il faut observer que c'était pas une première. Une occurrence dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu, quand il y a eu l'expulsion en 1492 des Juifs d'Espagne par Isabelle la Catholique, ou quand il y a eu d'autres mesures antisémites qu'il y avait même au XIIIe siècle, avec d'abord au XIIe, XIIIe, avec Philippe Auguste, ensuite avec Philippe Bel et puis Charles VI à la fin, il y avait déjà eu de nombreux prurites antisémites dans, en, en Occident, et à chaque fois ça s'était traduit d'ores et déjà par des émigrations, c'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, ou 15 XVe siècle, il y a eu des émigrations juives qui étaient liées à... Mais alors, des, mais alors euh, ce n'est voilà. donc pas du tout, comme le dit Monsieur Hillard, euh, un messianisme laïque. Mais quand il y a un mouvement politique, il est forcément complexe. Vous pouvez dire que le socialisme, c'est un messianisme. Le socialisme, c'est un messianisme. C'est la volonté d'affranchir l'homme de, euh, des rapports de domination liés à, euh, à l'argent. Hein, donc ça rejoint d'ailleurs, il y a des gens qui considèrent que le socialisme c'est une forme de résurgence du christianisme, mais à partir du 19e et du 20e siècle. Et, bon, le libéralisme c'est aussi une forme de messianisme, puisque là, c'est la volonté d'affranchir l'individu, quelles que soient ses contingences, des groupes, des, euh, des, des, des relations familiales ou, des, ou de la domination étatique. Tout mouvement politique qui prétend avoir une action au niveau international ou même une action universelle, et à ce moment-là, qu'on peut être considéré comme un messianisme. Mais le messianisme, il faut quand même le restituer dans un vrai débat. Je dirais qu'il faut être sérieux, il faut le restituer dans un vrai débat théologique. C'est-à-dire qu'il y avait une attente d'un envoyé de Dieu, d'un messie, qui a parcouru un certain nombre de religions. D'accord, euh, évidemment. Enfin, d'abord le judaïsme, il n'y a pas, il y a pas que ça. Hein. Dans l'hindouisme aussi, euh, ou dans le bouddhisme, avec Maitreya, il y a euh, une, non, une attente d'une un, espèce de Messie, de Sauveur, hein, bon, et de fin des temps, d'escatologie. Mmh. Donc tout ça, c'est effectivement un débat religieux. Cela étant, euh, bon, le, messianiste, le messianisme ne doit pas être confondu avec vraiment le sionisme, qui est un mouvement circonstancielle au XIXe siècle de protection de réaction des juifs contre l'antisémitisme du XIXe siècle. Merci, merci beaucoup. Euh, voilà, déjà vous n'êtes pas d'accord sur la définition et c'est important, important du coup de définir parce que euh, pour Monsieur Fédarbuche mmh. c'est une réaction à un antisémitisme ce qui n'est pas le cas. Enfin c'est pas votre définition à vous. Alors effectivement, le... comment il s'appelle Herzl disait les antisémites nous aideront dans notre tâche. Bon. C'est vrai que le comportement de certains ont aidé, ont... bon. Mais en fait, c'est ça qui est frappant. D'abord, d'un point de vue général, quand on observe l'histoire juive, on constate dès le début euh, un problème. Et le problème, c'est qu'il y a eu ce fameux Jésus de Nazareth qui va être reconnu par certains comme le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. Et qui, donc, c'est lancement de l'Église catholique, etc. Et donc, qui parachève le mosaïsme et tous les annonces prophétiques, euh, Isaïe, et Jérémie et bien les autres. Et vous avez ben, une partie de la population juive et des élites rabbiniques de l'époque qui refusent de reconnaître euh, que ce Jésus, c'est le Fils de Dieu euh, attendu, de le fameux Messie. Bon. Et là, vous allez avoir, au sein des hydrabbini qui vont suivre, dans les générations qui suivent, l'élaboration de différents documents. Outre le Talmud, qui est le Code civil, politique et religieux de la synagogue, élaboré entre 100 et 500, et je vous dis toujours qui a été élaboré uniquement en opposition au christianisme, pas à l'islam, parce qu'entre 100 et 500, l'islam n'existe pas, euh, un Talmud qui est violemment anti-chrétien. Euh, je rappelle que dans le Talmud, euh, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Bon. Mais en fait, le soubassement dès le 1er et 2e siècle, c'est quatre documents, les Targum, le Livre des Jubilés, le 4e Livre d'Esdras et la de Baruch qui annonce en vrac, si je puis dire, l'idée que ce, Jésus ce de Nazareth, c'est un faux à, à combattre que le Messie doit arriver pour la gloire d'Israël. Là, je ne fais que vraiment présenter le, le mode d'emploi. Hein. Je ne fais pas... Euh, J'y répondrai. Oui, oui, bien, bien entendu. On est là pour ça. Il y a une idée de millénarisme. Il y a le fait que, et ça, c'est très intéressant, euh, que le peuple juif, dans cette histoire, est divinisé pour euh, aboutir à une forme de rédemption de l'humanité. Et au sein de ce milieu, eh bien, il y a ceux qui s'agitent pour euh, favoriser ce retour par voie humaine, si je puis dire, et puis d'autres qui qui disent il n'y a que l'intervention divine pour mettre les choses au clair. Et vous allez avoir en 2000 ans d'histoire. 25, 30, 35, je ne peux plus les, les compter, euh, messianistes. Vous avez eu Moïse de Crète, vous avez eu le fameux, auparavant, euh, Bar Korba, euh, vous avez eu, euh, comment dire, Abouissia euh, en Perse, etc. Et puis les fameux, surtout, euh, surtout suite à, c'est ce que vous avez dit avec le décret de l'Anombra, 1492, expulsion des juifs de la péninsule ibérique, il y a eu des un, conséquence colossale que ce soit pour l'Europe mais aussi pour Safed, qui était le lieu avec Isaac gloria qui va jouer un rôle immense, parce que c'est ça qui va nourrir, via ses disciples comme Haïm Vital, un courant messianique qui va donner sa bataille au XVIIe siècle et Jacob Franck au XVIIIe. Mais vous avez une permanence, et en fait, ce sont des adaptations par rapport à l'époque. Et le sionisme n'est que le énième maillon de ce courant, mais adapté au XIXe siècle, qui est déjà aussi... Un élément clé, la révolution industrielle, est, ça change tout. Un cas de, des nationalités. Et puis surtout, le fait que vous avez eu, suite à la révolution française, un début d'émancipation des Juifs. Septembre 1791, euh, Napoléon qui va répondre les principes de, de 89 partout en Europe et qui lance aussi ce principe d'émancipation. Donc on est dans, le sionisme. En fait, c'est une forme de messianisme adaptée au 19e siècle, avec un arrière-fond... Euh, j'allais dire classique, mais un revêtement propre à l'époque 19e, début 20e. Retrait. Oui, bon. alors je voudrais pas que nos auditeurs prennent peur et pensent que ça va se terminer en euh, débat théologique, hein, même si ça euh, Ils mais, font mais, importance. Mais, oui, oui, non, mais on va en parler oui. euh, tout, tout de suite. Alors là, je vais vous faire un premier reproche, que bon, un reproche que je fais à votre ouvrage, c'est de euh, prendre des cas très particuliers, pour en faire des généralités. Et ça, c'est pas forcément très bon ni très solide intellectuellement. C'est vrai qu'il y a de petite mention euh, de Jésus, qui dont d'ailleurs euh, l'existence n'est pas forcément euh, reconnue par certains textes euh, dans la tradition rabbinique, euh, le Talmud. Enfin, le Talmud, c'est extrêmement justement, complexe. Justement, qu'est-ce que dit le Talmud sur Jésus-Christ Il euh, y a très peu de choses, c'est ça que je voulais répondre, justement. Ah, euh, -y. Bon, Il y a très peu de choses. c'est bon, Le Talmud, bon, c'est il y a deux Talmuds, d'abord celui de Babylone et celui de Jérusalem, c'est-à-dire celui qui a été créé dans ce qui euh, était euh, en fait l'État euh, juif démembré par les Romains parce qu'il faut voir et là je vais vous faire un premier élément de réponse que le gros traumatisme et euh, ce que vous appelez le messianisme mais ce qui a habité euh, très profondément euh, le peuple juif depuis euh, le 1er siècle jusqu'au euh, 20 e siècle c'est absolument pas le fait de se situer par rapport à Jésus pas du tout c'est le traumatisme de la destruction du temple par les Romains Ça a joué. Du, bon euh, c'était essentiel euh, avec la volonté de revenir euh, bon, un jour de recréer de, bon, le, le Jérusalem, et c'est ça, c'est pas le christianisme, le, le judaïsme s'est pas positionné pendant tous ces siècles par rapport au christianisme, et c'est plutôt le christianisme qui parfois, dans, certaines de ces, dans certains de ses aspects, a reproché aux juifs de ne pas reconnaître la divinité de Jésus, d'accord, qui a eu une attitude, je dirais, qui était euh, active, mais les juifs n'ont pas, n'ont jamais eu la réponse au christianisme au cœur de leurs préoccupations. Et donc il y a deux Talmuds, celui de Babylone, celui de Jérusalem, et dans ces textes-là, qui sont des espèces de traditions, bon, partie orale, qui rejoignent la tradition kabbalistique, eh bien, c'est pas, pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de donner des explications, de rejoindre une théorie, de rejoindre en fait un corpus oral, de donner des lois orales et des explications orales à des textes qui sont très fragmentaires, qui sont très épars, parce que, le, euh, la religion juive, et il euh, y a une myriade de textes, c'est très divers, c'est pas comme les quatre évangiles avec quelques épîtres ensuite, bon, c'est vraiment un, un nombre de textes très important, dont certains viennent en fait de Babylone, dont bon, voilà. Et donc il y a eu une volonté d'expliciter ça et de, de trouver la réponse à une question qui l'est à pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont mérité la destruction du temple, d'accord, et leur bannissement de parce qu'ils étaient interdits de, de vivre même à Jérusalem et dans cette région. Et là où le premier point de désaccord que j'ai avec vous et que je expliciterai ensuite, c'est que je pense que vous faites l'erreur de prendre de prendre, vous voyez, un cas pour une généralité. Et donc ça perturbe votre analyse je vais des répondre choses. Répondre à ça. Voilà. Alors. En fait, bon, ce Talmud de Babylone. Ah bah, il y en a, en a bien deux, ou pas euh, Est-ce que vous confirmez qu'il y a deux Talmuds Ah, bah oui, oui alors c'est. Ah, d'accord, voilà. Balbure, okay. ça, c'est. C'est parce a... que les auditeurs se demandent, en fait. Ah non, non, là, il y a je je vous... Babylone et Jérusalem, comme il y a quatre évangiles. Non, mais ben là, c'est factuel. Euh, 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 mes propos, c'est essayer de présenter, j'allais dire, le mode d'emploi le, le plus factuel, euh, vu la variété des, des avis. Bon. Euh, pourquoi le, le Talmud a été créé Parce que vous avez, euh, dans, dans l'Empire romain, euh, des, des massacres des chrétiens Néron etc mais peu à peu l'Église va monter en puissance et il y a de plus en plus de païens mais aussi de juifs à se convertir au christianisme et les dirigeants rabbiniques de l'époque sont en train de enfin voient qu'ils sont en train de perdre j'allais dire des parts de marché spirituel. et pour parer pourquoi ils ont élaboré le Talmud c'est pas pour faire joli c'est pas pourquoi bah parce que tout simplement il fallait donner un corpus pour dire aux populations juives de l'époque, soyez patients, attendez, notre Messie va arriver, il fallait donc les former. Donc le Talmud, les deux Talmuds en fait, sont là pour bloquer cette hémorragie spirituelle. Et euh, j'invite euh, les auditeurs et M. Federbuch à voir entre autres la fameuse thèse de Thierry Murcia. Euh, sur le judaïsme de, de, de cette époque, où il dit bien, je crois que c'est à partir de la page 582, euh, que le, le Christ est bien châtié euh, dans des excréments bouillants, c'est le traité 56B-57A. Pourquoi bah Parce que la montée en puissance de ce christianisme avec Constantin 313, etc., fait qu'il bah, faut des arguments pour la partie d'en face. Il, il, il faut voir qu'il y a une rivalité. Et c'est si vrai, quand vous lisez par exemple le messianisme juif de cet universitaire israélien Gershom Scholem, j'ai lu quasiment tous ses livres, et qui est passionnant. La première page de son livre, c'est pour évoquer l'opposition entre quoi et quoi Entre la révélation chrétienne et l'espérance juive, entre le Messie qui est arrivé pour les chrétiens et qui, pour les juifs, n'est pas arrivé. Et donc, dès la première page, il dit tout de suite que c'est ça, le socle de tout. Et... Toute l'histoire juive est parcourue par cette idée de, de messianisme et l'événement de 1492, absolument capital, parce que vous allez avoir une, euh, ces, ces, ces juifs euh, maranes pour certains, qui vont se répandre, soit l'Empire ottoman, il faut savoir, faut lire euh, le, le livre de Cécile Roth, euh, pour ceux qui voudraient voir, c'est R.O.T.H., euh, sur Donia Gracia -Nassi, euh, qui est une personne extraordinaire, euh, vous parliez de, que je, oui, j'admire Hertzel, mais c'est comme Bismarck, qui d'ailleurs définissait le, le sionisme, je le cite, comme une fantaisie mélancolique. Mais euh, on peut admirer quelqu'un, mais je m'oppose radicalement à ces, à ces idées. Mais voyez-vous, euh, ces juifs qui se sont répartis dans le pourtour méditerranéen à partir 1492, euh, quand vous lisez Cécile Roth, il vous dit bien que l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique, toute l'économie était tenue par les juifs. Et. – C'est un fait, Non, mais là, je ne dis même pas que c'est bien ou mal, je, je fais que rapporter une lecture d'une référence. – oui. Non, non, non ce n'est pas parce référents. que quelqu'un écrit quelque chose une oui, fois… – Oui, c'est une référence, voyez, mais, non, euh, non, une a, référence. Mais, mais je continue et… – La meilleure ce... référence, c'est la réalité. – Excusez-moi de vous interrompre, je continue, ce mais je vous et Je vous laisse sans problème, mais là vraiment, Cécile Roth est une référence, mais il n'y a pas que lui, enfin, évidemment, il explique entre autres le rôle de cette population juive, de cette île juive qui va entre autres s'installer aux Pays-Bas, qui n'existe pas à l'époque, hein, possession espagnole, qui va devenir province unie. Et là, on a l'émergence d'un Wall Street hollandais. Donc on est au XVIe siècle. Et véritablement, on a euh, un événement qui va se produire. Et c'est là où il faut parler du messianisme. Pourquoi Parce que. Euh, vous avez au XVIIe siècle, bon, vous avez suite à Henri VIII, la Réforme, l'Anglicanisme, etc., vous avez un événement qui est très important, qui est que vous avez un maran navigateur, qui s'appelait Montesinos. Alors, marane, c'est converti Oui, converti de, de force, ah, ou qui conserve une apparence chrétienne, alors qu'il reste fidèle à ses origines. Un marane, qui, navigateur, qui s'appelait Montesinos, donc on est dans les années 1650, vous allez voir l'aspect messianique, qui revient d'Amérique du Sud, d'un voyage, et il prétend avoir trouvé deux des dix tribus perdues d'Israël, les tribus de Ruben et de Lévi. Mensonge complet. Mais ce qu'il raconte crée un émoi dans la communauté juive hollandaise de l'époque, et avec à sa tête, on est dans les années 550, avec Menasseh ben Israël. Et qu'est-ce qu'il dit, Menasseh ben Israël Il dit qu'il qu y a une répartition des juifs en Europe, en Asie, euh, l'Afrique du Nord, etc. Il apprend qu'il y a des juifs de tribus d'Israël en Amérique du Sud. Bon, c'est un mensonge, évidemment, mais il y croit. Mais il ajoute il manque une population juive en Angleterre. Pourquoi Parce que les juifs avaient été expulsés par Édouard Ier en 1290. Et ce représentant dit que selon les textes bibliques, la rédemption du peuple d'Israël et avec le caractère messianique qui va avec commencera quand tous les juifs seront répandus dans le monde entier. Il manque l'Angleterre, d'où cet accord conclu entre Menasseh ben Israël et Cromwell qui a déjà fait décapiter Charles Ier en 1649 pour obtenir un basculement de ce Wall Street hollandais des Pays-Bas, enfin Provinces-Unies, à la City de Londres. Et là, alors ça se fait progressivement, 1660, 1670, création de la Banque d'Angleterre, 1694. Et là, on est une alliance entre une force financière avec un idéal messianique derrière et la politique, Rule Britannia. Et c'est ça qui va lancer et aider au messianisme et favoriser, entre autres, la mise en forme. De la Royal Society à partir des années 1660, Et d'ailleurs, vous avez des personnages comme Robert Boyle, vous avez le premier patron, d'ailleurs, de la Royal Society qui s'appelait Horry Oldenburg. Et, et tous ces gens-là, les Cromwell, sont tous acquis à cet idéal vétéro-testamentaire avec un fond messianique et protestant. Et c'est très intéressant de voir que Herzl, euh, porte aux nu les protestants de son époque. En revanche, il rejette les catholiques. Euh, D'ailleurs, il le dit lui-même euh, les catholiques sont à Donc il y a un caractère financier, messianique, qui parcourt l'histoire juive, mais vraiment d'une manière. Alors, alors nette. Serge, oui. vous alors, eh, je vous réponds, je pense vous, que vous que avez cinq ça... minutes, parce que vous avez eu cinq minutes. Ah oulala, On oulala, 5 minutes. il n'y a pas de problème. Allez-y. Même si j'utilise pas les cinq minutes, c'est pas très grave. Mmh. Donc. Euh, Là, euh, je pense que vous illustrez à nouveau un peu le reproche que, que je vous faisais. Ah oui, une chose, excusez-moi, lorsque oui. vous donnez des noms essayer de oui. dire qui ils sont ça oui, c'est ben, pour les gens qui nous regardent à ce moment-là oui. préciser, voilà. préciser préciser ben Israël le par le exemple c'était le, le meilleur ami de, de Rembrandt qui est sans doute avec Velasquez le plus grand peintre de l'histoire humaine voilà Vermeer donc, est pas mal bon, ouais. Vermeer est pas mal non plus mais voilà. bon je crois que vous m'accorderez Rembrandt qui vivait d'ailleurs dans un milieu euh, qui n'était pas juif mais qui vivait dans un milieu bon très judaïsé ben, c'était son meilleur ami donc c'était quelqu'un qui était extrêmement bon, eu, ouvert il hein. était extrêmement ouvert voilà alors dire que les Juifs tenaient l'économie de l'époque dans l'ensemble des pays après 1490. L'Empire ottoman. ottoman. Non, oui, bon, enfin, ah bah c'était euh, euh, une infime minorité des populations, une infime minorité des populations aussi bien dans l'Empire ottoman que même en Occident. Pour donner une idée, par exemple, parce qu'il y a eu des décrets d'expulsion, hein, bon, euh, des juifs au XIVe siècle en France, il n'en restait pratiquement plus. Et en 1789, les juifs c'était un pour mille de la population française, hein, à 50 peine. 000 à peu près. Ouais, bon, c'était c'était rien du tout. Hein, bon, il y avait à peu près 40 millions de Français et, euh, et 50 000 juifs en comptant l'Alsace, c'est vraiment bon. Donc c'était rien du tout. Et donc imaginez que vous puissiez avoir une infime minorité comme ça. Et c'était aussi largement vrai dans l'Empire ottoman, qui euh, contrôle toute l'économie. Bon, je suis désolé mais ça ne ça, ça tient pas debout c'est un non-sens. Ça c'est le premier point. Deuxième point, bon, ils, pu, ils pouvaient parce qu'ils étaient interdits de certains nombre d'activités, ils étaient par, par inter... bon, avoir peut-être une, peut une surreprésentation dans des activités financières en particulier parce que le prêt à intérêt donc était interdit aux chrétiens. Donc, bon, eux, euh, qui ne pouvaient pas travailler la terre, ne pouvaient pas porter les armes, etc., eh bien, se sont installés, bon, ça, c'est très connu, hein, dans les professions qui, euh, les seules qui leur étaient ouvertes, et d'ailleurs, ça leur a, qui, a attiré beaucoup d'inimitié, parce que tous les gens qui étaient surendettés, eh bien, évidemment, euh, quand ils voulaient faire oublier leurs dettes y compris les rois de France, ils s'en prenaient aux Juifs comme ils sont prenaient aux Lombards, il n'y avait pas que les Juifs, d'ailleurs, ou à d'autres euh, banquiers. Donc, euh, là, je pense vraiment que euh, considérer que voilà c'était déjà une espèce de, de, de pieuvre enfin bon des gens qui tout en étant infiniment minoritaires hein, bon, euh, étaient au pouvoir un peu partout c'est assez euh, c'est euh, léger et fragile comme raisonnement bon, l'Angleterre effectivement il y avait pratiquement plus de juifs euh, Cromwell quand il a fait euh, décapiter Charles Ier d'Angleterre eh bien, euh, la, il sortait d'une guerre civile terrible hein, parce que ça a été terrible, la, la guerre civile entre les royalistes et puis le parlement anglais parce que c'était un affrontement entre le parlement et le roi. ils ont fait, le parlement a fini par gagner. Euh, il, a, il était, c'était une sorte de, de, de puritain d'accord qui euh, euh, Cromwell qui euh, en fait entendait euh, corseter la, la société il a cherché des appuis parce que l'économie anglaise était dévastée après euh, la guerre civile et il a cherché des appuis il a cherché euh, de l'argent il aurait pu euh, euh, s'en prendre à d'autres et c'est vrai que dans le protestantisme ça je vous l'accorde et dont l'anglicanisme est un, un dérivé il y a bon il y a euh, non pas forcément une grande sympathie pour le judaïsme mais il y a un peu plus de prise en considération, de révérence pour ce qu'on appelle le vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'Ancien Testament. D'accord, donc j'essaie je, de préciser à chaque fois les concepts. Mmh. Donc il y a, euh, a, a c'est vrai qu'il peut y avoir une, un plus, une plus grande appétence, mais considérer que Cromwell était complètement l'émanation des juifs anglais qui étaient euh, enfin, extrêmement peu nombreux, c'est quelqu'un qui a cherché des appuis à un moment où l'économie anglaise était dévastée et où le parti royaliste, d'ailleurs, parce qu'il cherchait à établir une dynastie. Et il a essayé de le faire au bénéfice de son fils, et bien ensuite, euh, dès que en fait il est mort et quand son fils a pris le pouvoir, ils ont été à nouveau renversés par les royalistes et Charles II d'Angleterre. Donc voilà, c'est ni plus ni moins. Donc moi, ce que je vous reproche, vous voyez, c'est de tirer des enseignements à partir de faits qui sont extrêmement et qui sont pas significatifs et ça je trouve qu'intellectuellement c'est une faiblesse bon alors j'en terminerai même si c'est plus ou moins de cinq minutes je sais pas je vais pas faire de chronométrage Là, bon, on a quatre bon bon voilà sur quand même ce qui euh, sépare aussi en grande partie le judaïsme alors je vais vous faire frémir hein, du christianisme qui est euh, finalement pour moi euh, qui peut être considéré comme une branche du, du judaïsme c'est euh, le côté, c'est une, une différence fondamentale, c'est le côté prosélyte, d'accord Parce que vous semblez dire que les Juifs étaient, se sentaient fragiles et qu'ils bon, étaient en compétition. Mais l'un des grands problèmes du judaïsme, c'est de ne pas avoir été prosélyte Au début, il l'était, mais très rapidement, il l'était plus. C'est d'avoir justement considéré qu'il y avait que c'était la religion, c'était une révélation donnée par Dieu. À un peuple précis, avec une terre promise, d'accord, et qui n'avaient pas, qui n'ont pas, et d'ailleurs aujourd'hui, on leur reproche, ils n'ont pas cherché à, à s'étendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, là, se convertir au judaïsme, c'est-à-dire que le fait... sionisme n'est pas non. un mondialisme du coup mais Pas du tout. Pour, le, vous, pour euh, vous Mais non, parce que justement, c'était un peu l'erreur que, que tu as faite, on va se tutoyer, on se tutoie d'habitude, on se vais connaît pas, depuis 15 ans. Je vais pas, je vais pas faire semblant de te vous soyer, mais. Il euh, y a des juifs dans de nombreux pays dans le monde. S'il se trouve qu'à un certain moment, tous ces juifs dans de nombreux pays dans le monde ont envie d'aller vivre en Israël, D'accord On va dire, bah, c'est un mouvement mondial. Non, c'est simplement euh, des, juifs, des, des gens qui sont dans, différentes, euh, pays, dans différents pays qui décident de repartir dans un même pays. Parfois, d'ailleurs, chassés, parce qu'une grosse partie de l'émigration, ça a été des gens qui ont été soit chassés, enfin traumatisés par la Deuxième Guerre mondiale, soit directement chassés par les pays arabes. En, bon, au moment des indépendances des pays arabes, à partir de 1945, ça ça a été un gros afflux de séfarades en Israël. Donc, c'est pas que le sionisme est un impérialisme ou un mondialisme, c'est que il y avait des juifs dans pas mal de pays et qui se sont retrouvés en Israël. Le sionisme, une fois encore, c'est un mouvement nationaliste qui cherchait à, à créer un havre de paix et à retrouver, c'est vrai, une terre qui avait été Qu'ils euh, avaient perdu. Alors je terminerai par un dernier exemple, parce qu'il me vient à l'esprit. Pourquoi Parce que je l'ai vu ce week-end. Je vous incite à aller voir l'exposition sur Charles VII. Au musée de Cluny, qui est remarquable, hein, qui vient d'ouvrir, et on voit euh, ce qu'on appelle le euh, trésor de Colmar. Le trésor de Colmar, c'est un juif qui a euh, planqué ses quelques biens et, et son or en particulier et ses bijoux au moment de, des persécutions qu'il y avait dans, dans la région, au moment de la grande peste, parce qu'il y a eu une résurgence de l'antisémitisme à cette époque. Et qu'est-ce qu'on voit C'est assez, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est que un des colliers qui était sans doute porté par une femme hein, une fille ou une femme eh bien c'était une, une petite maison une réplique en miniature du, de la vision fantasmatique du temple de jérusalem ça c'est pour montrer que en fait il y a vraiment eu constamment cet attachement donc c'est vrai qu'il y a eu un attachement constant qu'il y a eu une diaspora mais de là à dire que c'est une espèce de pieuvre qui instrumentalise l'histoire ou que c'est un mouvement complètement mondialiste, non, mondialisme, non, c'est des gens qui étaient éparpillés qui ont voulu un moment revenir en Palestine, en Israël. Pierre Hilar. Alors répondre à plusieurs choses. Vous, euh, alors. D'abord, vous savez, je n'utilise pas le mot pieuvre. Euh, le monde juif est divers, il y a des juifs riches. C'était provocateur, là, je pense. Et il y a des juifs pauvres. Pieuvre, pieuvre c'est un terme et inventé et par Victor Hugo, y des toi, juif, normand, il y a pas de normands normand. Il y a des Juifs pauvres. Ouais. Euh, il y avait à peu près 50 000 juifs à vivre en France en, au 18 siècle. La plupart étaient pauvres. Les juifs de de, de, très de, pauvres. Zas, de Lorraine, étaient très pauvres. Et les juifs du sud-ouest, certains marades, avec tous les cas de figure, plus riches, Bordeaux, etc. Euh, et il faut lire, j'ai publié une lettre dans mon livre Archimondialisme, une lettre des maranes de Bordeaux, euh, dans les années 1789-1790, euh, adressée aux révolutionnaires. Euh, une lettre contre les juifs d'Alsace, c'est... Euh, antisémite à mort, c'est méprisant, c'est euh, gratiné. gratiné. Bon. C'est du mépris social. C'est vrai euh, que. Il mépris, y avait... mais mépris, en même temps, euh, euh, j'utilise le mot, euh, le, pour, en, sans trahir leur pensée dans cette lettre, c'est une forme de sourasse à l'égard des, des juifs d'Alsace. Euh, la lettre euh, elle est, euh, est extraordinaire. Je n'irai euh, pas jusque-là, mais là, je voudrais non, dire je quelque dis, chose de très important. Quand je dis sourasse, c'est. Oui. comprenez, je, je résume euh, vraiment une forme de mépris. Alors, je vais vous donner une, un propos de Herzl. D'abord, voyez-vous, quand on s'intéresse à quelque chose, euh, rien n'apparaît comme ça innocemment. Euh, le sionisme n'est pas apparu sans un arrière-fond. Le sionisme est l'héritier de siècles et de siècles d'histoires religieuses liées à l'athéisme chez certains juifs, mais à un fond de rébellion à l'égard d'une vision chrétienne, plus exactement catholique et ensuite né dans un contexte particulier, révolution industrielle, euh, siècle des nationalités au 19e siècle. Bon. Les propos d'Hertzl à l'égard d'un rabbin, je le cite. Ah, je rappelle d'abord que Herzl était contre la démocratie. Bien, je vais citer le petit passage. Je le cite. Hein. Je suis contre la démocratie, tendant à de vaines palabres parlementaires produisant à la base une classe d'hommes, les politiciens professionnels. Les peuples actuels ne sont d'ailleurs pas aptes à une forme de démocratie et je crois qu'à l'avenir, ils le seront de moins en moins. Euh, je n'ai pas, écoutez ça, je n'ai pas foi dans la vertu politique de notre peuple. Alors, euh, un élément intéressant, cette vision planétaire des choses. Les propos d'Herzl qui répond à un rabbin, je crois que c'est le rabbin Gutmann. Je le cite, Herzl. Rien ne nous empêche d'être et de rester les représentants d'une humanité une, tout en étant chez nous sur notre propre sol. Pour atteindre cet objectif, nous n'avons pas besoin en fait de continuer à résider parmi les nations qui nous haïssent et nous méprisent. Si nous voulons réaliser cette idée universelle d'une humanité sans frontières. Dans les circonstances présentes, nous aurons à combattre l'idée de patriotisme. C'est intéressant de voir qu'il y a de la part d'Herzl et de ses collaborateurs, style Max Nordau et bien d'autres, cette volonté de détruire un patriotisme qui fait l'âme des nations. Le patriotisme européen, des euh, pays européens des, vous dire. européens des peuples européens. Euh, des peuples européens, d'accord. C'est des en gros. C'est-à-dire euh, qu'il y a une volonté de Hertzl de détruire des nations Quand on fait une humanité sans frontières, on détruit inévitablement les nations. Et l'Union européenne est un prototype. Et en matière de finances, là aussi, il ne faut pas tomber, évidemment, comme je l'ai dit, il y a des juifs pauvres et des juifs riches, et vous avez tous les intermédiaires. Vous avez cité, Mike, tout au début, mon, mon livre, donc... Euh, enfin, les la, de... la, non, l'autre, le, le livre du vicomte de Gondobiron, ah, oui. dont j'ai fait une longue préface. Et je me suis appuyé, entre autres, sur un ouvrage passionnant. D'un universitaire américain, en fait, euh, juif allemand, qui a fui le nazisme avec ses parents, qui s'appelle Fritz Stern. Sur la couverture du livre du vicomte de Comte-au-Biron, vous avez, entre autres, à côté de Bismarck, son banquier schröder Et l'ouvrage de Fritz Stern est passionnant, car c'est une photo du monde de la finance prussienne, mais en fait de toute l'Europe au 19e siècle. Et il le dit, il écrit que, par exemple, les guerres de la Prusse en 64, 1864 contre le Danemark, contre l'Autriche d'Habsbourg en 1866 et contre la France en 1870, Bismarck obtient son financement de la part de ces milieux-là. Et donc, pour vous montrer qu'il y a un rôle, simplement, comprenez-moi, M. Ferbourg, je ne cherche pas, sûrement pas à insulter, mais j'essaye, de la manière la plus posée possible de souligner les actions de certains et de remarquer qu'il y a une influence certaine moi une question au XIXe siècle. Après, je voudrais quand même répondre à ça. Ah bah, Allez-y. Après, j'ai une question. Oui, oui. Bon, donc euh, je trouve malgré tout qu'il y a quelque chose de paradoxal et même de contradictoire euh, dans votre propos et dans vos raisonnements. Vous nous expliquez donc que euh, Herzl voudrait détruire les patriotismes. Bon, Il a dit... En passant, oui, mais en passant, bon, ah comme oui. le sionisme peut être considéré comme un patriotisme juif, ce serait assez, assez, par, assez paradoxal. Et en même temps, vous n'avez de cesse de tenter de nous expliquer que finalement les juifs se sont mis au service de Bismarck pour conforter le nationalisme prussien, qui est devenu le nationalisme allemand, qui se sont mis au service de Cromwell pour conforter le nationalisme anglais et son particularisme. Donc, il faudrait choisir à un moment quelle est votre grille d'analyse des choses parce qu'ils ne peuvent, bah, peuvent pas à la fois vouloir se mettre ouais, au service ouais. de tout les nationalismes qui passent par là et en même temps vouloir... Bon, je crois que c'est simplement un nationalisme ou un patriotisme, appelez ça comme vous voulez, de toute façon, la distinction est un peu académique entre nationalisme et patriotisme. Donc, euh, ce sont des gens qui voulaient simplement trouver, c'est ça, par réaction, euh, un refuge en Israël. Et tout au long de l'histoire du judaïsme, il y a eu effectivement un rapport qui a pu être conflictuel avec le christianisme, ça c'est sûr. Hein. Mmh. Mais ce con rapport conflictuel, je pense qu'il ne sera pas très difficile pour vous d'admettre qu'il était quand même que la... Était très largement du côté chrétien. Bon, c'est pas les Juifs qui ont, qui ont commencé à persécuter. Vous voyez, les croisés qui passaient par là et qui partaient vers la Terre Sainte, c'est les croisés qui, euh, bon, dans la région de Mayence ou ailleurs, s'arrêtaient dès qu'ils pouvaient parce qu'ils ne savaient pas trop vers quel horizon ils allaient et que l'Orient était quelque chose d'assez abstrait. Là, ils avaient sous la main euh, mmh. des espèces d'ennemis euh, qui désignaient et bon, ça se terminait en pogrom et en massacre. Et donc, le, euh, la, le souci qu'ont eu pendant très longtemps les Juifs vis-à-vis -vis du christianisme, il faut bien voir dans quel sens il est allé. Ce n'est pas véritablement un souci intellectuel, c'est le souci qu'il y a eu de, de nombreuses reprises, des massacres, des pogroms, pas tout le temps, hein, pas tout le temps, mais quand même à de nombreuses reprises, surtout d'ailleurs à partir de l'an 1000, euh, à partir du moment, parce que par exemple Charlemagne, euh, sous au début de l'empire carolingien, n'était pas du tout euh, hostile aux juifs, ça s'est noué à partir de l'an 1000. Justement, paradoxalement, quand les relations entre l'Orient et l'Occident se sont développés à nouveau, après qu'il y a eu une baisse de l'influence, finalement, des barrières qui a été mise par l'islam qui s'était développé à partir du VIIe siècle. Donc, au fur et à mesure que l'Occident était en contact avec l'Orient, quand ils ont appris que voilà le Saint-Sépulcre avait été envahi, peut-être détruit par les musulmans, il y a eu cette espèce de, de prédication pour les, pour les croisades, mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu une résurgence. D'accord Et donc je crois que les, le problème que les Juifs ont eu vis-à-vis euh, -vis du catholicisme ou du christianisme, c'est quand même assez largement aussi du fait qu'il y a eu de nombreux massacres, de nombreux pogroms. Et j'en terminerai par un point pour revenir à ce qui a été dit, qui est euh, essentiel pour moi dans le fait de comprendre. Euh, euh, l'antisémitisme et euh, de lui apporter en fait un, un, des contre-arguments, c'est que souvent le grand... Euh, la ce grande... bon, c'est pas des contre-arguments. Non, non, mais... Le problème, Non, non, mais voilà. justement, il a dit quelque chose qui est très juste et qui, pas, qui ne relève pas de l'antisémitisme, à voilà. savoir que les Juifs sont très divers, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils ah oui, peuvent se, ah maîtriser, oui. se mépriser. Mais il y a du mépris social chez les Juifs comme dans n'importe quelle communauté. Les Rothschild ils n'en avaient pas grand-chose à faire, hein, même s'il y en a un d'entre eux pour Edmond qui a cherché... À développer le foyer euh, bon juif oui, là, réchon, en, 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 en bon, voilà Mais l'essentiel des Rothschild, ils s'en moquent du tiers comme du quart des juifs. Il y a des de, du, du, du prolétariat juif qui croupissait en Alsace dans les pires conditions possibles. bon Donc, euh, voilà, il n'y a pas d'une. L'idée qu'il puisse y avoir une espèce d'unité du peuple juif contre les autres et de volonté de solidarité de tous les juifs, les uns envers les autres, contre eux, ce qui n'est pas juif ça c'est une idée profondément erronée qui est aussi à la source de beaucoup d'antisémitisme les juifs ils s'aiment pas davantage entre eux bon que euh, les bretons alors Il les est bretons pas une communauté mais les corps mais vous allez, les Bretons. Pas plus a, que les Auvergnats. Les Bretons, ils aiment bien les Bretons. Les, ouais. les, les Auvergnats, par exemple, ils sont établis à Paris, d'accord, depuis longtemps. Ils sont les Bougnats. Ils ont un certain nombre d'entreprises. Ils tiennent un certain nombre de secteurs dans l'hôtellerie, dans la restauration. Très bien. Ça ne veut pas dire que tous les Auvergnats s'apprécient. Ils peuvent se détester entre eux, de village entre village. Eh bien, le seul universalisme qu'on peut trouver dans cette histoire, c'est l'universalisme, parfois du mépris, de l'ignorance ou de la détestation qui parcourt toutes les communautés, les juifs comme les autres. Alors, il n'y a pas de solidarité euh, particulière, euh, sauf dans les moments où ils sont collectivement pourchassés, parce qu'à ce moment-là, ça recrée des solidarités. Réponse de pierre Hilar, après j'aimerais lui poser Alors, une question. Le monde juif est divers, mais il euh, y a un, quand même un élément clé qui les unit, qu'ils soit athée, religieux, agnostique, tous les cas de figure. Ils sont l'élément clé qui les unit qui unit par exemple un con-bendit euh, athée libéral et euh, un rabbin, euh, c'est euh, l'opposition à l'incarnation. Ça, c'est l'élément clé. On peut le voir chez Herzl. Euh, comme je l'ai dit, c'est intéressant de voir... Le, les, les carnets de Herzl montrent plein de choses. Entre autres, que le seul ennemi du sionisme, c'est le christianisme, euh, plus exactement le catholicisme, c'est pas l'islam. Et vous avez des phrases dans, dans les carnets de Herzl du style, il faut démonter le Saint-Sépulcre pierre par pierre. C'est quand même étonnant de ce, la part de ce milieu dit euh, laïque. Pourquoi s'acharner sur le Saint-Sépulcre Si vraiment ils étaient laïcs, bah, ils pourraient dire aux, aux chrétiens, bah, débrouillez-vous avec euh, votre Saint-Sépulcre. En fait, c'est très intéressant de voir cette, cette haine. Il y a ce fameux passage alors, qui est au dos de mon livre que j'ai déjà cité, c'est le discours, enfin, l'entretien le, qu'il a avec l'ambassadeur américain Oscar Strauss. Je cite, euh, « Je lui ai dit que je considérais uniquement Rome comme l'adversaire. J'ai oublié de lui en donner la raison profonde. C'est parce que le catholicisme romain est aussi universel que le judaïsme. Rome est le frère riche qui est son frère pauvre. » Et voyez-vous, c'est ça qui m'a frappé dans le, en étudiant les carnets de, de Herzl, qui sont absolument passionnants, c'est d'abord euh, les rivalités entre clans, mais d'une haine farouche à un point où Herzl écrit qu'il en a assez, je cite son mot, de la vilainie de la part de ses corréligionnaires. Et il ajoute que si ça continue ainsi, je vais devenir, dit-il, le plus grand de tous les antisémites. Et quelques pages plus loin... Euh, face aux attaques de certains, parce qu'en fait, ce sont il y a euh, ceux qui le soutiennent par exemple, il y a la banque Pèreire qui le soutient, les Montefiore, au début les Rothschild, le, euh, les, le, comment dire, veulent vraiment avoir sa peau. D'ailleurs, il est mis en garde Herzl contre les Rothschild. Puis à un moment donné, il y a une réconciliation, une réconciliation un peu bizarre d'ailleurs. Mais à un moment donné, euh, Herzl, on a, il y en a tellement, ras-le-bol, ras la cascade si je puis dire, de ces attaques, qui dit, ça y est, j'ai trouvé l'épitaphe. Que je voudrais avoir sur ma tombe. Alors, Herzl est mort en 1904 et il avait demandé à être enterré en terre d'Israël après la création de l'État d'Israël. Et puis, lorsque il y a la vidéo, vous pouvez la retrouver sur Internet, 1948-49, je ne sais plus la date exacte, euh, son, corps a été, son, son corps a été rapatrié et il y a eu une délégation, enfin tous les honneurs, pour accueillir euh, Herzl. Mais se sont bien gardés, les sionistes de l'époque, de mettre l'épitaphe qu'Herzl voulait avoir sur sa tombe. Il en a tellement assez de, des attaques de certaines franges du, du, du monde juif, des élites juives en particulier, qui dit, ça y est, voilà l'épitaphe, je cite, il avait une trop bonne opinion des juifs. C'est intéressant de voir la psychologie de ce monde, et évidemment l'épitaphe n'a pas été mise, hein, parce que ça... Bon, c'est intéressant avait, de voir... Il faut croire qu'il avait surtout le sens de l'humour. Herzl ah, avait un sens de l'humour, mais J'interpréterais un comme une blague. Il avait un sens de l'humour. L'homme, euh, l'ayant quand même pas mal étudié, il euh, est hors norme, le bonhomme. Euh, mais il faut voir les attaques et pourquoi il faut. Je vais vous donner cette information. allez Il faut que je me, une, me une question. y Il y a le premier repas, 1900 ou 1901, je peux importe la date, d'Herzl chez les Rothschild à Londres. Et c'est là qu'il faut jongler avec les siècles et voir qu'il y a une permanence. Alors je suis obligé de dire un petit élément et ensuite je le raccorde avec ce dîner ou déjeuner qu'a eu Herzl avec Rothschild. 18e siècle, siècle des Lumières, qui touche le monde juif, entre autres. Et vous avez eu une branche de la maçonnerie très puissante qui a été créée. Par le petit cousin de Jacob Franc, qui s'appelait Moses de Bruska et qui a pris un autre nom, Junus Frey. Il a créé dans les années 1780 ce qu'on a appelé euh, les frères asiatiques. Il faut lire Gershom Scholem il a, il a parfaitement expliqué ça. Et euh, dans les années 10, alors c'est un, une branche élitiste, et euh, c'est la Kabbale, le christianisme abattardi, et le successeur de Moses de Brusca, Junus Frey, c'est Charles de Lascassel, un des plus grands, grands princes du Saint Empire romain germanique, dont le frère Guillaume était la première fortune du Saint Empire, et qui avait comme trésorier Mayer Amschel Rothschild. Et pour avoir l'information la plus solide, j'ai lu un petit livre passionnant du directeur du musée du Judaïsme de Francfort. À l'époque, je ne sais pas s'il si a changé depuis, mais à l'époque, il s'appelait Fritz Backhaus et qui s'appuyait entre autres sur les archives euh, de, du fond Rothschild de, de Londres. Et qui explique que donc ce trésorier c'était Mayer Amschel Rothschild et il y a donc cette idée je passe très rapidement de messianisme, etc. Eh bien j'arrive au dîner d'herzel avec les Rothschild dans la grande salle magnifique il y a un immense portrait de Guillaume de Hesse-Cassel, et il y a un des représentants Rothschild qui pointe du doigt le tableau et qui dit Ertzel notre arrière grand-père euh, Mayer Amschel a travaillé avec euh, le fameux Guillaume de Escassel. cette coopération était très fructueuse, tellement fructueuse que si elle avait raté, nous ne serions pas ici ensemble en train de déjeuner. Donc, pour vous montrer qu'il y a les générations qui passent, mais il y a une permanence. Ça n'empêche pas des rivalités internes. Bien sûr. Alors, j'avais juste une question et voilà, réponse, n'inquiétez inquiétez pas. Euh, parce qu'après, on va passer à la deuxième partie. Mmh. Euh, euh, monsieur Federbusch a dit que. Euh, en gros, le judaïsme n'a pas cherché à convertir euh, un peu partout dans le monde euh, d'autres populations. Euh, Est-ce que ce n'est pas antinomique avec un mondialisme Selon certains représentants de ce milieu, c'est le peuple élu. Je rappelle qu'il y a une vision racialiste dans euh, le judaïsme. On est juif par la mer. Un BHL qui est juif par son père, théoriquement il n'est pas juif. Bernard-Henri Lévy. Euh, oui, Bernard-Henri Lévy est juif par son père. Ah, je ne savais pas. Mais oui. par sa mère, non. Ah, d'accord. Donc, et je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai fait ma thèse de, de sciences politiques il y a pas mal d'années, enfin, j'étais concentré sur l'Allemagne. Et en fait, j'ai mis la main sur une thèse. La thèse d'un avocat euh, suisse, je crois, qui s'appelait Nathan Feinberg. J'ai mis, pour information, l'intégralité de cette thèse dans mon livre Archives du Mondialisme. Et je vais vous apprendre une chose, je l'ignorais à l'époque, ça a été une découverte. Le traité de Versailles, on parle toujours des 14 points de président Wilson, mais on ne sait pas qu'une partie du traité de Versailles a été faite pour la protection des minorités en Europe. Et l'institut qui s'est chargé de ça, donc je rapporte les propos de la thèse de Danton Feinberg, c'est la délégation juive dirigée par Léo Motzkin, qui était un des collaborateurs de Taylor Herzl. Et Nathan Fengbert raconte, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, raconte que euh, le président Wilson, 8-10 jours avant son départ en Europe pour le Versailles, etc., traité de Versailles, est allé à une réunion du hybride, qui est une organisation maçonnique juive qui n'accepte que des juifs au sein de, de son organisme, et ils ont mis en place un groupe ce fameux comité de délégation juive, pour la protection des groupes ethniques, euh, flamands, catalans, euh, etc., mais aussi des juifs. Et parmi le groupe, il y avait entre autres euh, Naum Sokolov, qui sera d'ailleurs de 1931 à 1935 le patron de l'organisation sioniste mondiale. Et pourquoi je dis ça Parce que cette protection des groupes ethniques, grâce à la délégation euh, du délégation comité juif, a travaillé ensuite, dans les années 30 pour essayer d'instaurer dans le cas du nazisme une protection des minorités. Et entre autres, vous avez, et je le cite dans le bouquin, le fameux euh, Blumenfeld, qui espérait mettre en place un principe de protection des minorités, entre autres des minorités juives en Allemagne, en relation avec le nazisme. Et je vais vous citer un petit passage. Alors, du à 20... ou, et ou très ouais, et voilà, pour, pour, pour que M. puisse répondre. Un petit passage, en fait, euh, ça date du 21 juin 1933. Euh, C'est la Fédération Sioniste Allemande de l'époque, qui est dirigée par euh, Siegfried Moses, qui ensuite va être remplacé par Friedenthal. Et voilà ce que dit ce rapport de, de, la, de la Fédération Sioniste Allemande du 21 juin, euh, juin 1933. Un petit extrait. Nous voulons insérer notre communauté dans la configuration globale sur le sol du nouvel État qui a mis en place le principe des races afin qu'il nous soit également possible d'avoir une activité fructueuse pour la patrie dans la sphère qui nous est attribuée. Nous croyons que c'est justement la Nouvelle Allemagne qui, grâce à une décision audacieuse quant au traitement de la question juive, peut faire un pas décisif pour surmonter un problème qui, en réalité, doit être traité pour la plupart des peuples européens. C'est justement parce que nous ne souhaitons pas falsifier ce fondement, parce que nous sommes, nous aussi, contre les mariages mixtes et pour le maintien de la pureté de nature juive et refusons les transgressions dans le domaine culturel que nous pouvons, alors que nous avons été élevés dans la langue et la culture allemande, participer avec admiration et empathie aux œuvres et valeurs de la culture allemande. Merci beaucoup Périlla. Euh, voilà, jusqu'à 40, voilà, jusqu'à 40... Bon. Bon. 7 minutes, plus de 7 minutes. 7 minutes, oh là là, c'est voilà. un vrai tunnel. bon. Euh, c'est important de répondre oui, sur, sur tous ces points. J'ai toujours la même difficulté en vous entendant parler, c'est que je pense que oui. vous faites très souvent... Euh, des, de, de cas particuliers, des généralités de manière abusive et des raccourcis qui sont beaucoup trop, euh, en fait, qui, qui vont trop vite et trop loin. Mmh. Bon, Herzl, par exemple, vous nous expliquez à la fois que, enfin, vous semblez bâtir tout un raisonnement, vous voyez, autour de, des discours d'Herzl. Alors, je prends, comme votre, tra votre travail et votre livre reprend beaucoup de ses écrits, évidemment, ça a peut-être orienté un peu votre façon de penser. Mais. Euh, ok, en même temps, vous nous dites que euh, il était en but, à des tas d'hostilités, et c'est vrai. Hersel, bon. Herzl, c'est euh, un, un, même si c'est le fondateur, avec le congrès de Bâle, etc., il est mort, finalement, assez tôt, comme vous l'avez dit, assez jeune, et ensuite, le sionisme était beaucoup plus divers, beaucoup plus, et même de son vivant, beaucoup plus conflictuel, même. Et minoritaire. Bon, voilà. Et, donc, en fait, vous ne pouvez, on ne peut pas analyser le sionisme à, à, bon, à travers, simplement, quelques écrits d'Herzl, qui, d'ailleurs, pouvaient être euh, contradictoires entre eux. Donc, il ne faut pas, vous voyez, généraliser euh, de cette euh, manière-là. Alors, autre problème qui me, qui me chiffonne un peu, et qui est aussi l'illustration de cette, de cette espèce de façon que vous avez d'enjamber les, les sujets pour en tirer des généralités qui me, qui me gênent beaucoup. Par exemple, vous nous dites voilà, il y a quelques éléments sionistes ou juifs qui ont travaillé au moment de la rédaction du, du traité de Versailles à la volonté de protéger les minorités. Très bien. Et donc, en gros, ce serait une volonté derrière le traité de Versailles de protéger les Juifs pour permettre ensuite. Entre de... autres. Bon, oui, mais, bah oui, mais c'est l'entre autres qui compte. C'est qui compte beaucoup parce que la Première Guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée ben, Comme tous les événements historiques, il y a une pluralité de facteurs. Hein. Oui. Mais c'est quand même parce qu'il y avait en Europe centrale, en Serbie. Dans, des, dans, des, dans toutes ces zones qui continuent d'ailleurs d'être des poisons pour l'histoire européenne. Aujourd'hui. On est jusqu'à 40, euh, après vous le répondez. Non, 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 mais je vous céderai la parole, ah non, même, même avant 40, c'est pas. Oui, bon, donc, en fait, s'il y avait une volonté de protéger les minorités dans le traité de Versailles, c'est pas pour protéger les Juifs avant tout, c'est parce que la question des minorités était considérée comme ayant directement conduit, avec la question des rivalités entre puissances impérialistes, entre France, Prusse, et euh, donc, Angleterre ayant directement conduit à la Première Guerre mondiale et un massacre de, par dizaines de millions de pauvres gens en Europe. Donc, et c'est pour éviter que, pour donner un statut aux minorités protecteurs, pour éviter que les choses ne s'enveniment mais qu'on arrive à nouveau à euh, des con conflits euh, terribles, que cette, euh, cette idée a germé. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché puisque c'est aussi on se fendant on se fendant on... mais alors en le détournant sur la question des minorités et en détournant les choses que Hitler, par exemple, en prétendant défendre les minorités allemandes dans certains pays, en Tchécoslovaquie ou ailleurs, ou en Pologne ou ailleurs, a, a développé une attitude extrêmement belliciste vis-à-vis -vis de tout le monde. Bon, donc, vous voyez, moi, ce qui me gêne, c'est que je suis prêt à entendre votre discours sur certains sujets, mais très souvent, vous avez tendance à euh, inférer d'une situation particulière. Quelque chose de global qui, en réalité, a obéi à beaucoup d'autres facteurs. Alors, là, je vais entrer dans un, vraiment au cœur de votre, de votre discours, qui est, parce que finalement, c'est ça que, qui vous gêne le plus, hein, je pense, chez les Juifs, c'est l'opposition à l'incarnation. D'accord Bon, au fait que. Ils le disent. Bon, oui, oui, non, mais. Et, mais justement, justement, ils le disent, mais ce, ce n'est pas du tout les seuls à le dire. Les musulmans, par exemple, les, les musulmans, par exemple, reconnaissent Jésus, ce qui n'est pas le cas des Juifs, comme étant même le Messie, pas seulement un prophète, hein, mais le Messie. Mm. Mais, mais la différence entre les musulmans et les chrétiens, c'est que c'est le Messie, c'est-à-dire c'est l'envoyé de Dieu, mais ça n'est pas Dieu. D'accord Bon, ça n'est pas Dieu. Mm. L'arianisme au IVe siècle, que je crois vous mentionnez un petit peu, dans, qui, est, bon, qui a été considéré ensuite comme une hérésie, il y a eu des conciles, etc., bon, qui ont été convoqués même euh, par, par les, les derniers empereurs romains, enfin au dernier siècle de l'Empire romain, et eh bien euh, l'arianisme, c'est aussi euh, l'idée que, euh, évidemment, Jésus, vous voyez, il n'y a pas d'unité en quelque sorte, que Jésus n'est pas Dieu. On d'accord. C'est un fait Et donc, euh, ah oui. dire voilà, euh, c'est les juifs qui s'opposent à l'incarnation, au fait de. De, de la confusion, alors c'est le, le débat entre consubstantiation et transsubstantiation, etc. On va pas faire de cette émission un débat théologique non-stop, parce que là, ça deviendrait vraiment soporifique. – Ça reste très intéressant. Hein. Bon. C'est un débat de très haut niveau. Hein. Bon. Bah, allez mais mais l'opposition à l'incarnation, c'est un débat qui a d'ailleurs parcouru le christianisme à ses origines. La question n'était pas tranchée tout de suite. Les conciles de Nicée ou euh, les, bon, les autres conciles qui, y a eu, qui ont eu lieu ensuite, il y avait des débats, enfin, les évêques n'étaient pas tous d'accord entre eux, c'était très tendu, cette histoire. Bon, donc, et ça a conduit d'ailleurs à des différences, mais extrêmement ténue, parfois difficile à comprendre, entre l'orthodoxie, bon, et le catholicisme, entre l'arianisme euh, au départ et euh, le, je le corpus central du catholicisme, entre Luther aussi, parce que alors là, la différence entre justement le fait que est-ce que au moment de la consécration, l'hostie c'est vraiment le corps et la chair du Christ ou est-ce que c'est simplement un élément, mais qu'il y a l'idée euh, qui se sépare, voilà le symbole. Alors, ça a fait des guerres de religion, ça a causé des dizaines de milliers, même des millions de morts, mais ce sont des concepts extrêmement ténus. Donc, moi, je, ce que je ne comprends pas, d'une certaine manière, vous voyez, c'est votre focalisation sur des différences théologiques avec les juifs, alors que ces différences théologiques, elles sont également éminente et, et primordiale au sein des différentes églises chrétiennes ou euh, dans l'histoire bon, et que ce qui a pu conduire à l'animosité du christianisme vis-à-vis -vis des juifs qui a quand même euh, connu quelques paroxysmes et qui a fini par euh, se calmer avec le temps et euh, bon jusqu'au concile vatican ii et au discours qui était un discours extrêmement émouvant de, de jean-paul ii voilà à mayence justement eh bien est, bon, qui était un haut lieu des, des pogroms et de la destruction des juifs très anciens en Allemagne, et eh bien c'est quelque chose qui ne concerne pas que les juifs, donc moi je crois qu'il y a une espèce de focalisation qui est un peu étonnante et qui fragilise vos raisonnements, vous voyez mmh, je voilà. Alors, euh, alors j'aimerais une, une conclusion de deux minutes sur euh, le sionisme. Bah, vous répondez un peu. Mais... Répondez en même temps, je ne pourrais pas tout dire parce voilà. qu'il faut et, deux et, temps. Et, et, euh, et surtout, bah, pour vous, c'est un mondialisme du coup. Voilà. C'est une forme de mondialisme. Alors, en fait, je ne cherche pas à focaliser. L'histoire, vous savez, en histoire, tout a été inventé. On repasse toujours par les mêmes chemins. Simplement, ce qui change, c'est la technique. On va plus vite, Internet, etc. Alors, écoutez, vous parliez d'Arius, effectivement, bon. vous savez d'où il venait, Arius, à l'origine Il était d'Alexandrie. Qui était un haut foyer du judaïsme. Oui, mais bon, euh, et et oui, et, et bah oui, oui, mais bon, c'est oui. pas parce que vous êtes à un si, moment dans un ça endroit, ça vous est, voyez, bon, vous 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 promenez faut, dans une rue de Paris, il y a un braquage à 50 mètres, on va pas dire que vous êtes l'auteur du braquage. Comprenez, bon, il bon, faut, y avait toutes sortes non, de communautés non, non, à Alexandrie. Il y avait une très forte communauté juive à Alexandrie et c'est intéressant de voir l'imprégnation parce que tous les en fait quand on s'intéresse aux hérésies en Europe, en tout cas, on observe toujours les points clés. Le rejet de la Sainte Vierge, parce que c'est elle qui doit écraser de son talon le, la tête du serpent, le rejet des saints. Qui une... le dit, ça oh, ben, Ce sont les hérésies, arianisme et tout le reste, okay. protestantisme dans toutes ses euh, variétés, et une dégradation du christianisme, c'est-à-dire que c'est le, le fait que l'hostie, ça reste du pain, c'est symbolique, etc. C'est toujours une dégradation. Bon, euh, Très rapidement, vous avez parlé de la Première Guerre mondiale. En fait, on le sait grâce à Herzl qui meurt en 1904, pourquoi j'admire le bonhomme tout en n'étant pas d'accord avec lui. C'est qu'il explique que le foyer juif, il y a un problème, soit il se fait donc à l'époque l'Empire ottoman, soit sous l'égide de l'Allemagne, soit sous l'égide de l'Empire britannique maritime. Et le problème, c'est que vous avez une faction du monde sioniste qui est pro-allemand et une faction du sionisme qui est pro-britannique. Pourquoi Parce qu'on passe, et là, ce n'est plus la spirituelle qui va parler, c'est les intérêts économiques et énergétiques, l'énergie qui nourrit l'économie. On passe du charbon à euh, au pétrole. Et à l'époque, l'Empire Ottoman, c'est donc la Turquie, l'Irak, la Syrie, le Liban, le Koweït et la partie nord, la Palestine et la partie nord, l'Arabie Saoudite. Le pétrole, Mésopotamie. Et les Allemands, fin 19e siècle, lancent le Bagdad-Ban. Bagdad et bah, la voie ferrée qui part de Hambourg. J'ai mis ça dans la classe du mondialisme, les cartes avec André Cheradam, en particulier, qui part de Hambourg, traverse l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Serbie, qui était le talon d'Achille, et qui parcourt tout l'Empire Ottoman pour construire cette voie ferrée qui est une sorte d'oléoduc sur rail pour favoriser la production et l'acheminement du pétrole. Alors, le travail est allé sur des années, 1914, le travail n'était pas terminé. Mais les Anglais étaient fous parce qu'ils se rendaient compte que si l'Allemagne réussissait ce, ce projet, eh bien, la puissance terrestre allemande contrôler l'énergie, et la puissance maritime anglaise, ben, roule ah. britannique, c'est terminé. – Vraiment, que, en et 30, 30 secondes, secondes ?– En <laughs> 30 secondes, vous plaît. et en fait, c'est dans les carnets complets de Herzl, Herzl souligne cette rivalité entre la branche sioniste pro-allemande, avec tout ce qui va avec, Bagdadman, etc., et la branche sioniste anglaise, qui soutient la politique maritime anglaise. Je et réfère. il précise qu'il espère un accord germano-anglais, mais qui peut prévoir l'avenir, etc. Et en fait, il a souligné l'élément clé, parce que la 14-18, bon, ça qui allume la mèche, oui. mais le fond de l'histoire, la Soren, c'était le, le chiffon rouge pour euh, le, euh, le monde gaulois, etc. Il y avait des rivalités économiques avec l'Empire russe, etc. C'est tout, tout à fait juste. Mais le fond de l'histoire, c'est l'énergie, la production de pétrole, et l'Allemagne était sur le point de contrôler le pétrole de... Euh, de Mossoul et de Kirkouk, la Mésopotamie, et ça, l'Empire britannique ne le voulait pas. Et c'est une bagarre qui va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec une tentative de mettre en place, en 1917, un foyer juif sous la direction de Berlin, mais la victoire du général Allenby, euh, regardez le film avec Laurence d'Arabie, fait que c'est l'Angleterre qui a le dernier mot. Alors, deux minutes, parce qu'après j'aimerais oui, passer à la ah deuxième bon. partie, sur Israël et quelque chose de plus actuel, on va dire. Oui, à nouveau, vous nous expliquez effectivement qu'il y a une forme de mondialisme messianiste dans le sionisme, qu'il y a un intérêt commun planétaire, et en même temps, vous nous dites que les juifs allemands, les juifs anglais, déjà, ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils soutenaient chacun leur nationalisme, ce qui est d'ailleurs plus juste que la première interprétation. Donc il faut choisir une des deux interprétations, parce que les deux sont comitamment impossibles à tenir. Attendez, je voudrais terminer. Donc. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire des rivalités entre les Anglais et les Allemands avec le Made in Germany, parce qu'il n'y avait pas que le Berlin avec Dadban, hein, les trois, euh, le, les, le, le chemin de fer des 3 B. Il y avait d'autres raisons. Ils étaient en opposition en Afrique, avec le Cameroun ils étaient en opposition aussi avec la volonté des Allemands de commencer à développer une marine marchande plus importante. Bon, parce qu'ils étaient un peu à l'étroit dans leurs frontières, ça allait bien bien au-delà donc à nouveau il faut toujours se se l'énergie pour tout ça se me, se me, oui mais euh, l'énergie était essentiellement charbonnière euh, bah à l'époque c'est surtout à partir des années c'est après, la première, bon, euh, ah, après oui, la première guerre mondiale bon ah c'est après la première guerre mondiale que l'or noir bon très très c'est Winston Churchill qui au mais début du XXe siècle tel... fait passer la marine euh, euh, anglaise du charbon au pétrole 1902 ou 4 dans ces eaux là donc on est en plein mais dans cette c'est encore tout à fait bon l'essentiel de la production thermique jusqu'en 19 1920-1930, l'or noir, l'enrichissement le, des pays arabes, tout ça, c'était quand même la production charbonnière, c'est venu après. Alors il y avait des gens qui pouvaient anticiper l'importance du pétrole, comme on peut anticiper aujourd'hui l'importance des terres rares, oui. vous voyez, euh, du lithium ou autre dans certaines productions, mais c'était encore tout à fait marginal. Il faut là, à nouveau faire attention à regarder ah des généralités en abusives. Là, ensuite, bon, ensuite euh, l'idée, oui, alors je reviendrai là-dessus, qu'à l'origine il y ait pu y avoir... Euh, vous voyez euh, une idée euh, qui va ensuite parcourir euh, toute la civilisation et qui explique tout à travers son cheminement, comme le messianisme expliquerait tout jusqu'au euh, sionisme et jusqu'au problème euh, d'Israël aujourd'hui. À mon avis, bon, elle tient pas la route parce que c'est bon, comme si vous vouliez expliquer, vous voyez, les problèmes de la Chine contemporaine par la politique du premier empereur chinois euh, sous la dynastie Chine de au deuxième siècle avant Jésus-Christ, Qin Shi Huangdi, qui en fait a créé l'Empire chinois dans des frontières qui sont encore celles d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant que la Chine du IIe siècle avant Jésus-Christ s'explique par, vous voyez, enfin que la Chine d'aujourd'hui s'explique par ce qui s'est fait il y a 2200 ans. Donc là aussi, je pense qu'on peut vous faire ce reproche. Donc voilà, je crois qu'il faut à chaque fois euh, préciser les débats, éviter l'accumulation de, de références, parce qu'à la fin on n'y comprend plus rien, et euh, raisonner avec bon, le sens de, 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 de la passer... pondération et des réalités. Je vous remercie. Références messieurs. liées entre elles et qui forment un corpus qui, quand même, explique bien des choses. Je vous remercie, messieurs. On va passer à la deuxième partie. On va passer sur un débat plus actuel sur Israël. Mais avant ça, euh, les petites annonces. Vous aimez nos émissions ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le plus gros de notre travail, c'est notre revue mensuelle. Et pour le numéro de mars, ⁇ Un iceberg droit devant !⁇ Nos auteurs écrivent pour vous les meilleures analyses économiques et politiques. Au sommaire, Jean-Maxime Corneille, Le narratif supplante la réalité. Laurent Ozon, La médecine occidentale en crise. Philippe Erlin, 2024, L'année du Bitcoin. Si tout comme nous, vous pensez que l'indépendance économique et intellectuelle sont les deux jambes pour fuir le naufrage, alors cliquez sous la vidéo. Merci à vous d'être toujours si nombreux plus de 5200 entre YouTube et X. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Jopo Odie Profonde du mois de mars. Vous cliquez le lien en description. Alors, moi, je vous laisse parler parce qu'en fait, vous êtes tellement passionnants tous les deux que euh, je, vous, vous pouvez parler des heures et des heures. Et donc, euh, bah, je préfère, euh, moi, me mettre un peu en retrait et vous laisser euh, débattre. Mais avant ça, sur cette deuxième partie, j'aimerais vraiment parler du sujet plus actuel qu'est Israël. Est-ce que. Israël, euh, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme sur Israël Quelle est la réalité euh, Est-ce que c'est un petit état ou est-ce que devient, ou ce que c'est euh, -ce un grand empire Voilà, qu'est-ce que c'est exactement Israël Alors, qui voudrait peut-être commencer Monsieur Federbusch, par exemple. Bon, oui. bon, un petit état. Je pense qu'il suffit de regarder une carte hein, pour oui. euh, se rendre compte qu'effectivement, c'est pas euh, un, un grand État. D'ailleurs, ça, c'est lié aux représentations qui sont faites de la, parfois par les cartes. Les gens ne comprennent pas qu'un qu des éléments essentiels du, du problème d'Israël, c'est justement son exiguïté. Mmh. Entre. Et d'ailleurs, c'est ce que disent de manière assez vicieuse hein, les pro-palestiniens, hein, de la rivière à, à la mer. Mais dans les frontières actuelles d'Israël, entre la Méditerranée, entre Tel Aviv, qui est le cœur du pays, parce que si vous enlevez Tel Aviv, Israël, d'une certaine manière, ça disparaît, et puis euh, les, premiers, euh, les premières frontières en Cisjordanie, il doit y avoir 40 ou 45 kilomètres, à peu près, hein, pas plus. Donc, euh, c'est comme si la France commençait, vous voyez, euh, Île-de-la-Cité, et s'arrêtait à l'aéroport de Roissy. Bon, et qu'à partir de l'aéroport de Roissy, en Seine-Saint-Denis, vous aviez des ennemis de la France. Alors je ne veux pas faire une généralisation qu'on pourrait euh, considérer comme un peu hâtive, mais comment pouvez-vous imaginer une seule seconde que des gens qui ont des ennemis mortels, parce que ce sont des ennemis mortels, ce n'est pas seulement un ennemi mortel, me disait un jour en un de mes maîtres, ce n'est pas quelqu'un qui t'en veut à mort, c'est quelqu'un qui peut te tuer. D'accord Eh bien, quelqu'un, bon, que des gens qui peuvent les tuer parce qu'ils sont à 40 kilomètres, comment voulez-vous qu'un État qui vit en permanence avec des gens qui peuvent les tuer se considère euh, bon, euh, ou prenne face des choix politiques autres que guidés par euh, son instinct de survie et Ça explique une grande partie des problèmes d'Israël. Et quand leur instinct de survie s'étiole un peu, qu'est-ce qu qui se passe On l'a vu à Gaza, le 7 octobre dernier. C'est-à-dire qu'ils ont commencé un peu à s'endormir sur leur laurier. Et bon, Israël est devenu un pays où, finalement, il y a plus, les plus grandes teufs, les plus grandes rave parties et les plus grandes gay pride du monde, d'accord Et puis, où il y a une opposition de gauche qui commence à vouloir euh, défendre à tout prix le gouvernement des juges, et bien on en oublie les ennemis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les gars, en face, à Gaza, ils en ont profité, ils leur sont tombés dessus et il y a eu euh, 1200 ou 1400 morts. Donc, ils sont dans une situation d'extrême exiguïté, d'extrême fragilité, et ça, ça explique une très grande partie de leur politique, parce qu'ils ont le dos au mur, le dos à la mer, plus exactement. Ils n'ont pas, pas de profondeur stratégique. Israël, si demain il y a une, une des légions arabes qui euh, débarque avec des chars qui euh, roulent à euh, 80 ou 90 à l'heure, ben, en 25 minutes ou 30 minutes, ils ont détruit Israël. 25 ou 30 minutes! C'est même pas comme les Allemands dans les Ardennes, hein, vous voyez, en 1940. Donc ça explique en grande partie leur attitude. Et tout ce qui s'est passé là, finalement, euh, au mois d'octobre dernier, et ce qui se passe encore à Gaza, c'est comme une terrible piqûre de rappel pour eux. C'est-à-dire que ça leur rappelle leur fragilité stratégique. Et la réponse, et, et les médias parlent de réponse disproportionnée. Qu'est-ce que vous en pensez Pas du tout. Alors disproportionnée il bon, y a beaucoup de, euh, de gens qui s'émouvent à juste titre d'ailleurs, euh, du massacre qu'il y a eu hein, en Russie actuelle. Bon, il euh, y, a, y, a, y a deux jours, non, il y a quatre jours. Vendredi dernier. Ouais, vendredi dernier. En pleine émission. Voilà, bon, allez, ouais, en pleine émission. Il y avait, il y a eu 140, 150 morts, à peu près. Mmh, ouais. Bon, il y a 130 ou 140 millions de Russes, d'accord Donc, euh, cent, bon, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu le dixième du nombre de morts que euh, ceux qui ont été créés par le Hamas au moment des, de l'infiltration donc euh, en Israël depuis Gaza, le dixième pour une population juive en Israël, qui est de 6 ou 7 millions, qui est le vingtième de la population russe. Donc, si vous multipliez 10 par 20, vous, vous en fait, ça aboutit à quoi À 300. C'est-à-dire que le traumatisme des événements d'octobre dernier en Israël, si vous l'analysez simplement de manière factuelle, en chiffres, en rapport entre les populations, c'est le trois centième, le 300 centième de ce qui s'est passé à Gaza. D'accord Donc imaginez bien que bon, euh, ça soit un traumatisme énorme. Qu'est-ce qui se serait passé qu'est-ce qui se passerait en Russie aujourd'hui s'il n'y avait pas 130 morts, mais 130 fois 300, ce qui fait à peu près 30 ou 40 000, d'accord Si 40 000 personnes n'avaient été massacrées. Mais là, Poutine, euh, il ne serait pas simplement à conserver le mutisme. Il serait déjà, avec son trahi, euh, bon, euh, sur tous les fronts, pour essayer d'envahir euh, et de détruire le Tadjikistan ou je ne sais trop quoi. Donc, il faut comprendre cette situation, cette fragilité. Alors ensuite, la, la réponse, elle n'est pas disproportionnée. La réalité, là, je vais peut-être en choquer certains, mais je m'en moque complètement, c'est que 90 99% des Gazaouis se sont réjouis, on les voit bien, ils ont fait des selfies, c'était les youyou partout, à l'Akbar, à Akbar, ils sont à 99% pour la destruction d'Israël ces gens-là. Bon ils sont bibronnés à la haine d'Israël, ils ont bon et bien donc évidemment, quand vous avez des gens qui peuvent vous tuer et qui le font de manière massive dans des circonstances atroces et qui en plus se réjouissent à 99%, ben vous leur faites pas de cadeau. et donc les Israéliens ils cherchent à établir maintenant une espèce de frontière étanche, Jusqu'à Wadi Gaza, c'est ce que j'ai dit dès le premier jour, hein. et ça se terminera comme ça. Ils vont aller jusqu'à Wadi Gaza, 10 km, et ça va être une frontière étanche. Et puis c'est tout, ils essaieront de récupérer quelques otages, mais bon, probablement ils sont déjà en grande partie morts. Et donc, ça, ça ira pas beaucoup plus loin. Gaza, ils s'en moquent, C'est pas stratégique. Voilà. Merci beaucoup, cher Pierre. Alors, oui, évidemment, exiguïté territoriale de l'État hébreu, ça c'est une vérité de la palice, euh, mais ne pas oublier quand même que euh, Israël ne tient que par le monde anglo-saxon. Euh, l'appui financier, l'appui militaire. Euh, Israël, est-ce que ce pays aurait tenu sans l'appui militaire des Anglo-Américains, enfin des États-Unis en particulier, dans les, les dernières guerres Je ne pense pas, c'est même sûr. Je euh, suis pas du tout d'accord, mais enfin. L'appui militaire américain était euh, capital. Alors concernant Gaza, alors il faut d'abord rappeler une chose. Alors, alors avant, avant oui. Gaza, euh, empire ou euh, petit pays C'est pas Netanyahu qui disait. Que... Je crois que c'est Netanyahou, Vous pouvez peut-être rectifier, mais la phrase allait est un Je peu peu pas ça. Je ne connais pas toute l'offre de Netanyahu. Non, coup. non. Mais <laughs> intéressant parce que Netanyahu, son ouais. père, comme vous le savez, était secrétaire au service de Jabotinsky. Hein, euh, qui, euh, qui se bagarraient avec Ben-Gurion, et Ben-Gurion appelait Jabotinsky le Hitler juif, hein, pour dire les, les rivalités entre eux. Bon. Regarde, je, je rappelle une chose, euh, ces mouvements euh, sionistes, et en particulier euh, tout ce qui est bêta, ils ont perduré en Allemagne jusqu'en 1938. Hein. C'est un représentant de la SS qui s'appelait Heinrich Müller qui, en 1938, a interdit les réunions du bêta. Ça, c'est officiel, bon. Alors, euh, je crois que c'est Netanyahu qui disait que en fait c'était eux qui tenaient les États-Unis. En gros. Voilà. Mais, mais, il faut toujours préciser cela, c'est qu'il y a des rivalités internes. Parce qu'il y a une version, une, une faction religieuse qui cherche à étendre Israël des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate avec des variantes, en n'oubliant pas non plus ce qui se passe en Ukraine la partie orientale de l'Ukraine, le Donbass, est une partie du territoire kazakh, c'est pas pour rien qu'en avril 2022, Zelensky appelait à faire de l'Ukraine un grand Israël. C'est quand même étonnant d'utiliser cette expression, mais en fait, vous avez dans ces milieux-là des rivalités internes entre ceux qui considèrent l'Ukraine comme une seconde Judée et puis d'autres qui considèrent que l'Israël est le foyer véritable. Et donc, en fait, les États-Unis jouent un grand rôle et Israël ne tient que par cet appui anglo-américain, mais il y a des rivalités et c'est intéressant de voir en particulier, quand j'ai lu les, les propos, je ne sais pas où je crois, dans le New York Times, euh, de Ronald Lauder, qui est l'actuel patron du Congrès juif mondial, euh, qui mettait en garde euh, les dirigeants israéliens de cette politique messianique, choquant une autre faction juive de tendance plutôt laïque. Donc, il y a des bagarres... Donc, ça veut dire que les des juifs américains ne sont pas d'accord... Certains. Avec... Voilà, certains. En fait, il ne faut jamais voir ça comme monoli monolithique. Il y a des factions... Mais, euh, voyez-vous, on en revient toujours, c'est ça que je veux faire comprendre. En histoire, on repasse toujours par le même chemin, il y a des répétitions. Ce fameux Ronald Lauder, vous savez que le Congrès mondial accorde un prix. Vous connaissez ce prix Non. C'est le prix Theodor Herzl. Et qui l'a reçu ce prix L'actuel président des États-Unis, Biden. L'a reçu Nikki Allais, qui est en opposition à Trump. Dans la campagne présidentielle. Euh, et l'a reçu aussi ce prix Theodore Herzl en 2021, Bourla. Intéressant de voir, il y a aussi George Shultz euh, qui l'a eu, Kissinger, il vient de mourir Jacob Rothschild. Et vous avez l'organisation sioniste américaine qui a accordé la médaille d'or Théodore Herzl en 2022 à Trump. Donc c'est intéressant de voir comme les événements du passé conditionne encore la politique israélienne en lien avec le monde anglo-saxon. bien. oui, alors là, euh, je pense que bon, le titre du débat, c'est fantasme réalité ?» là, vous êtes non. clairement, vous êtes clairement enfin, dans le fait. fantasme. vous êtes clairement enfin, dans, des dans le fantasme. alors, bon, on va reprendre les faits, puisque les faits sont têtus, comme tout le monde le sait. Alors d'abord, est-ce que euh, les, les Israéliens dépendent du, autant du monde anglo-saxon Ça, c'est pas sûr. À plusieurs reprises, par exemple, les Américains se sont opposés à Israël. En 1956, quand il y avait France, Angleterre plus Israël contre les États-Unis, la Russie, enfin l'Union soviétique mmh. à l'époque, eh ben il y avait une opposition avec les États-Unis, d'accord. Mmh. Et beaucoup plus grave que ça, ça, les gens l'ignorent ou en tout cas il y en a peu euh, qui l'ont en tête. En 1973. Quand en fait, il y a eu l'offensive de la guerre du Kippour et que là, Israël a vacillé, ça a été le moment où euh, ça a été, euh, ils ont eu le plus chaud finalement depuis exact. 1948, hein, mmh. au moment de la première guerre euh, avec les Arabes. Mais c'est en 73 que ça a été le plus dangereux. Là, ce qui vient de se passer avec Gaza, c'est dans... ça a été très dangereux aussi. C'est un traumatisme, mais ça n'a pas menacé véritablement Israël dans son fondement dans son existentiel. Mais euh, en 73, c'était très très grave parce que euh, ils s'étaient pas méfiés, c'était la même chose. Hein. Ils ont attaqué le jour de Kippour et les, Is les Américains devaient intervenir et ils ont rien fait. Ils ont rien fait et c'est euh, Sharon et c'est les Israéliens qui ont eux-mêmes repris le contrôle de la situation. Il n'y a pas eu une aide militaire. Non non, non non c'est arrivé, pas, arrivé. Trop... Non non non, c'est arrivé bien après. Y arrivé. Y il y a eu un renversement. C'est déjà joué un rôle. Non non non, mais il y a eu ah, un si, renversement. Il si, si. y a eu ah, un si. renversement des alliances. Il y a eu un renversement sur le front, pardon, avec les seules forces d'Israël. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça me fait bien rire parce que moi, je n'ai pas spécialement de sympathie pour Netanyahu, mais euh, Netanyahu, en ce moment, se fait critiquer parce que, justement, il aurait dit à Biden ou bien alors au secrétaire d'État américain euh, d'aller se faire voir pour la, euh, la, 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 le vote à l'ONU sur la résolution pour le cessez-le-feu en Israël. Donc, les, les Israéliens, sont, ils sont comme n'importe quel pays. Ils ont des alliances qui sont variables selon les circonstances, selon leurs intérêts, comme les Français, comme les Anglais, comme les Russes, comme les Chinois, comme tout le monde. Et donc, il a pas, ce n'est pas, Israël n'est pas l'émanation des États-Unis, loin s'en faut. Et à plusieurs reprises, il a été démontré le contraire, et sans doute qu'on va voir à nouveau le contraire dans les semaines qui viennent. Alors, je voudrais revenir là aussi sur le fantasme. Là, j'ai entendu quelque chose, et je crois l'avoir lu dans votre ouvrage sur ceux qui veulent le grand Israël jusqu'à l'Euphrate. On ne sait pas ce que c'est, parce que pas. ça n'a jamais, jamais existé. Hein. Il y a eu des Juifs qui ont été déportés à Babylone, bon, ou en Mésopotamie, mais ils n'ont jamais, euh, je ne crois pas qu'il y ait le souvenir historique qu'ils ont dominé Babylone. Au contraire, ils étaient en captivité et écrasés. Donc, à part peut-être quelques tarés ou quelques illuminés qui ont pu, dans des moments d'égarement, dire que voilà, ça serait très bien, ça serait bien qu'Israël se projette jusqu'entre le Tigre et l'Euphrate, D'accord Mais il n'y a pas un Israélien sur 100 000, enfin moi je ne veux pas parler au nom des Israéliens, mais enfin il faudrait être un grotesque bouffon pour euh, considérer qu'Israël peut s'étendre jusqu'à l'Euphrate. Hein. Quand on voit les difficultés que les Américains ou les Occidentaux ont eues déjà pour abattre l'ISIS et reprendre vient, le ça, contrôle euh, de cette région. L'Euphrate euh, et le nil. Bah, je vais donner la réponse, mais dans la Genèse 15-18, oui, et, oui, et, oui, et oui. c'est repris dans le volume de page 711 des carnets complets de Herzl. Oui, mais alors considérez que ça. Déjà le, ça. Considérer que la politique... Voilà israélienne... Voilà, la, la politique israélienne, elle est déterminée par des écrits, euh, bon, euh, ça joue, voyez qui, ça qui datent euh, qui, euh, date, qui date de mille ans avant Jésus-Christ, qui datent de Mais non, mais mais c'est le contraire, ah ben même de mais non, c'est le contraire même de l'âme, je dirais, de de l'essence du judaïsme, qui euh, que vous n'avez sans doute pas compris. Je suis désolé de vous le dire de ce point de vue-là, c'est que justement Dieu leur a donné la terre promise, il a donné la terre promise. Oh, euh, à Moïse qui n'y est pas entré, mais à ceux qui l'accompagnaient, et qui est justement un territoire circonscrit en Canaan, et pas toute l'entièreté du Moyen-Orient, ce qui aurait été évidemment un non-sens, et euh, bon, Dieu qui et devait avoir un certain bon sens on a, politique... On a beaucoup parlé d'Hertzel, mais est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants israéliens... Ça tient pas debout. ...sont les héritiers de Hertzel D'après vous, Monsieur Pierre, il Ils sont les héritiers d'une pensée, je vais dire, bimillénaire, mais avec... Des variantes en fonction du contexte. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Euh, bon, d'abord, rappelez que, quand même, l'État d'Israël a commencé par la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine en 1917 avec la fameuse déclaration Balfour. Bon, c'est quand même le monde anglo-saxon. Bah, c'est parce qu'ils avaient la main, euh, comme bon, euh, ils étaient dominants, que la France était très, euh, en fait, entièrement engagée dans son, sa guerre de terrain contre l'Allemagne mmh. et que, euh, finalement, tout ce qui se passait dans la périphérie du foyer central du conflit était plutôt du côté de l'allié anglais, qui se sont adressé à eux et que ensuite, d'autant plus quand, en fait, le mandat sur la Palestine a été confié aux Anglais et pas aux Français qui, eux, avaient plutôt le Liban. Donc, c'est un Syrie. peu... Bon, et la Syrie. Donc, c'est un peu, là aussi, une affaire de circonstances. Il ne faut pas considérer que c'est quelque chose d'intangible. Ce n'est pas l'émanation des Anglo-Saxons. Ah, et ça si, serait d'ailleurs contradictoire si, avec votre si, propos précédent, ben non, votre propos vous, précédent qui consistait à dire qu'il y avait des Juifs qui étaient derrière le discours prussien, hein, bah de, oui. bon, derrière le discours ah non, mais prussien et derrière le la, volonté, même, derrière la Alors, volonté, des Allemands d'établir une véritable domination Alors, continentale. Vous... Donc il faut choisir. Euh, il faut choisir. Rassurez-vous, ça, ça va être clair. D'abord. Euh, Officiellement donc, reconnaissance Balfour, reconnaissance d'un foyer juif en Palestine sous l'égide euh, euh, du gouvernement britannique. Il faut savoir que le véritable rédacteur de la déclaration Balfour, ce n'est pas James Arthur Balfour, mais Alfred Milner. Alfred Milner est le véritable rédacteur de, de cette déclaration, et on le sait, grâce aux travaux de l'universitaire américain, Carol Quickley, Histoire Secret de l'Oligarchie anglo-américaine, dont j'ai fait la préface. Euh, édition euh, Culture et Racine et, euh, et d'ailleurs, euh, Carl quickley explique, je crois que c'est son secrétaire qui en 1937 a révélé cette information, puis les archives sont arrivées, c'est en 1937 que ça a été révélé. Alfred euh, Milner était le fils spirituel de Cécile Rhodes. Cécile Rhodes qui est à l'origine de la création des bourses d'études. Cécile Rhodes, qui ont été mises en place deux ans après sa mort, en 1904, sous l'égide de, de Milner. Ce Cécile Rhodes qui travaillait intimement avec, entre autres, les Rothschild de Londres. Je rappelle que Cécile Rhodes, c'est lui qui est à l'origine de la création de l'industrie diamantaire de Beers, qui a posé les fondements permettant la création de l'État sud-africain, qui nous voit le jour comme 1910, la création de la Rhodésie du Nord, Rhodesie du Sud, en Zimbabwe. Et donc, Alfred Mineur va poursuivre l'œuvre de son père spirituel et euh, donc rédiger sa déclaration Balfour. Donc, c'est le monde anglo-saxon. Et puis, suite aux accords ça picot hein, entre Français et Anglais, L'Empire ottoman est dépecé. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, le fameux Bagdad-Ban, les, les voies ferrées pour le pétrole. L'Angleterre s'arroche quoi comme territoire L'Irak et le Koweït, le pétrole. La Syrie et euh, le, le Liban, c'est comme je le dis d'habitude, c'est riche en dates mais ça, c'est ça que les Français ramassent. Alors, à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait de, euh, des réserves de gaz très importantes, qu'on sait aujourd'hui, les viatons, etc. Mais à l'époque, le pétrole, ce sont les Anglais qui raflent la mise. C'était ça qui les embêtait. Alors, plus que ça, qui les embêtait, plus que ça, même, euh, dans ce sens que ils savaient que si les Allemands réussissaient cette mainmise, ils étaient foutus. Voilà. Et donc, euh, le monde anglo-saxon est intimement... En fait, le monde anglo-saxon protestant est intimement lié au monde juif. Ça, c'est une... C'est une évidence. Comprenez, il n'y a pas. C'est même pas un reproche que je fais, c'est un constat. Il faut voir. Je me suis intéressé par exemple aux personnes entourant l'héritier du trône, Édouard VII, donc enfin, qui est devenu euh, roi d'Angleterre de, au début des années du XXe siècle. En fait, les personnes qui l'entourent, Ernst Cassel, etc., euh, les, les Hirsch et bien d'autres. En fait, c'est un milieu essentiellement juif qui. Qui épousait la politique britannique, mais avec des bagarres avec le monde germanique. Donc, euh, euh, Comme le disait Théodore Herzl. Scherzer, ça veut dire que euh, de Nil à l'Euphrate, ça veut dire qu'il y aurait des réserves de gaz, de pétrole, c'est ça? Non, non. Euh, du Nil à l'Euphrate, c'est euh, la volonté euh, une, une sorte de, de volonté d'hégémonie sur tout, tout l'Orient antique. Il y avait de grandes puissances. Enfin, il y en a une nombreuse, mais il y avait deux grandes puissances principales dans l'Orient antique avant que Rome n'y mette bon ordre. C'était une puissance égyptienne puis une puissance mésopotamienne avec des villes qui parfois l'emportaient, parfois d'autres. Et puis de temps en temps aussi une domination des Perses. Mais ça voudrait dire que les Juifs avaient une volonté hégémonique sur tout l'Orient ancien, de les, du Nil à l'Euphrate, pour quelqu'un. Je dirais, du, euh, jusque pratiquement au deuxième, même au, au temps biblique, ça veut dire presque le monde entier, jusqu'à Rome, ça veut dire presque le monde entier, parce que l'essentiel du monde développé, à, bon, sauf si on voulait aller beaucoup plus loin en Chine euh, de l'époque, c'était ce qui y avait du Nil à l'Euphrate. Hein. Bon, les, les civilisations qui pouvaient y avoir celtiques en Europe, c'était tout à fait marginal. là. Quand on compare les huttes dans lesquelles vivaient, dans lesquelles vivaient les Celtes en France ou euh, en Allemagne et les pyramides d'Égypte, vous voyez, 2300 ans avant Jésus-Christ. Mais enfin, euh, ils étaient sur une autre planète, là, complètement. D'ailleurs, ça permet à certains d'affirmer que c'était des extraterrestres. Bon, donc, euh, voilà. Bon, moi, je crois qu'il faut éviter de, de, de tout mélanger, d'accord Il y a euh, des euh, mains facteurs qui expliquaient la diplomatie euh, anglaise. D'ailleurs, la diplomatie anglaise, un des facteurs essentiels qui a pu euh, faire que euh, mmh. c'était compliqué pour les Anglais, c'est qu'en en fait, la dynastie euh, régnante jusqu'à encore aujourd'hui en, en Angleterre, c'est une dynastie d'origine allemande, d'accord C'est, euh, voilà, von Badenberg, Saxe-Cobourg, etc., qui ont pris le nom de Windsor pendant la Première Guerre mondiale, mais qui, en fait, étaient des Allemands, et qui parlaient même allemand entre eux, hein, jusqu Bon, voilà. Donc, ils ont voulu se démarquer, du coup la monarchie anglaise le plus possible des Allemands parce qu'ils étaient ici ils auraient pu facilement être accusés de euh, collaboration avec l'ennemi et du coup euh, voir la monarchie anglaise disparaître et ça a été un facteur déterminant bien plus déterminant que les autres deuxièmement la richesse de l'empire britannique Bon, jusque dans les bon, c'est euh, le pétrole comme je l'avais dit a pris son essor quand même à partir des années 30. Le vrai trésor de l'empire britannique, c'est certainement pas ces sables qui étaient quand même assez pouilleux à l'époque et ces villages de tente, parce que les seuls états qui avaient dans euh, à cette époque vraiment jusqu'en 1418 en Orient, c'était l'état ottoman, l'état égyptien puis les autres non, ce n'étaient pas des vrais états mmh. eh bien euh, c'était le, le cœur de l'empire britannique, c'était les Indes, et c'était là où ils trouvaient leurs richesses. y avait bon, ça rapportait des montagnes d'argent de manière bon, enfin, les, les, ce que, il suffit d'aller dans les villes anglaises ou de se balader par exemple à Bombay, de voir ce qu'ils étaient capables de construire. L'argent que leur procurait l'Inde ou la Birmanie. C'était infiniment supérieur à tout ce qu'ils pouvaient trouver. Donc il y avait des rivalités, c'est sûr. Ils se méfiaient des Allemands comme ils se méfiaient des Français, parce que la rivalité avec la France aussi parcourt l'histoire anglaise, mais ni plus ni moins. Et donc à chaque fois, moi, je vous engage quand même à remettre les choses, à essayer de pondérer. Les, euh, les raisonnements, plutôt que d'aller chercher des exemples de tel ou tel, des écrits de tel ou tel, qui sont des épiphénomènes, des déclarations ou des écrits de rien du oui, tout. Est-ce que, est bon. que M. Edzel, euh, est Erdzel, pardon, est-ce que les est héritier de M. Herzel? Mais non, Netanyahu. là je rejoins M. Monsieur, monsieur Hillard, Netanyahu, s'il est héritier de quelque chose, c'est surtout un politicien. Mais, mais c'est avant tout, c'est avant tout le likoud, le likoud mais, mais alors, du coup, était... Euh, et et l'héritier de la droite israélienne mais, mais alors, qui est coup, en partie, en partie seulement dérivé de Jabotinsky, alors, qui était le Sioni, et ben, une sorte et, et de, et sioniste. proche sionistes proche des nazis, ça hein mais pas du tout, pas du tout. Mais pas vous du tout. vous avez dit non Non, non. Alors, il il non, se faisait traiter dit... de nazi par Ben oui. gurion mais il n'a jamais Alors, été il, nazi. Euh, ouais. Ben Ben-Gurion a traité Jabotinsky. Mais euh, il l'appelait le Hitler juif. c'est enfin, -ce y y une invective. Mais oui, oui. une invective. Mais ah, bon. Jabotinsky n'avait rien revanche, à voir avec les nazis. En revanche, euh, vous aviez des, donc des manifestants, des manifestations en Allemagne nazie, avec euh, le costume qui allait. Euh, et Du bêta en particulier, ça a duré jusqu'en 1938. Alors, alors, je précise bon, une chose. Alors, alors vite parce que en fait, je ne suis pas du tout d'accord. Ah non, mais bon, non, ce n'est pas une on question. On on mais là, mais là aussi, c'est un épiphénomène. En 1938, qu'est-ce qui s'est passé Attends, en Allemagne c est, c est avant un fait, tout Mais qu'est-ce qu qu qui s'est passé en Allemagne Mais des Mais oui, évidemment, la des cristal, c'est un peu plus important que la lutte des nazis Avec des dizaines de milliers. Ce que je veux savoir. Allez-y. Concluez, mais je veux savoir après quelque chose de la part de. ça parce que c'est quand même une historique. La entre nazis et sionistes s'est arrêtée en avril 1941. Je croyais comme vous que ça s'était arrêté euh, en 1938. Le... Et deuxième point, euh, le pétrole, ce n'est pas les années 30. On passe fin 19e, début 20e, c'est Churchill la tête de l'Amirauté qui décide, ah, je ne peux plus vous dire c'est 1902 ou 4 ou 5, peux, mais début 20e siècle, du basculement du charbon au pétrole. Donc en fait, c'est bien avant la guerre de 14 et c'est ça qui détermine... Ben, le choix. Je rappelle un petit, un petit élément les Allemands, en plus du bagdad ban voulaient construire une base navale au niveau de l'actuel Koweït pour enquiquiner les Anglais ensuite. Alors les Anglais, ils étaient fous après ça. Alors, euh, alors vous allez répondre à, à, à Pierre Hillard, mais, mais je veux savoir, est-ce que euh, Théodore Herzl est aussi important pour l'histoire israélienne que le dit M. Pierre Hillard non l'homme le plus important enfin c'était un fondateur mais qui est mort assez tôt il a bon il a eu cette idée mais il y en avait d'autres hein, effectivement euh, et bon Edmond Rothschild d'autres non Max bon voilà bon l'homme le, les hommes les plus importants pour l'État d'Israël c'est David Ben Gourion Bon, qui a quand même porté le projet, c'est Reim Weizmann, ah oui. qui a bon, qui a, euh, qui était le diplomate de la bande et qui a réussi justement à éviter de se mettre les uns et les autres à, 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 à dos. Il faut Donc, quand même c est, c est sur l'idée, sur l'idée, hein. et sur non, c est c est, un... mais non, c'est pas un personnage mineur, mais c'est, vous voyez, euh, quelqu'un qui est à l'origine, mais il a impulsé, mais ensuite, bon, très il rapidement, impulsé ça, ou pas mais, ah bah oui. il a, il ah oui. était à l'origine du mouvement sioniste, c'est certain, mais Ensuite, il est mort jeune, et ça a pris d'autres formes, et ce n'est pas lui qui a été capable de créer l'État d'Israël, c'est essentiellement ben gourion et Weizmann. Bon, – Ils ont pris ensuite, le relais. – Ensuite, ensuite euh, l'idée qu'il puisse y avoir une connivence, une sorte d'osmose de, de, d'intérêt entre euh, les juifs, les sionistes, les israéliens et le monde anglo-saxon, c'est très vite démenti. Très vite démenti, pourquoi Parce que justement, les Anglais… Qui ont fait la déclaration de Balfour et qui était quand même assez ambigus. Très très vite, se sont opposés dès les années 20 et encore plus dans les années 30 à la création d'un État juif en Palestine. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas pu avoir d'émigration massive à l'époque des juifs européens ou des juifs allemands qui étaient soumis à des mesures de persécution. D'accord C'est pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pu aller en Palestine, parce que les Anglais s'étaient retournés, et c'est pour ça qu'il y a eu des attentats anti-Anglais de la part de l'Irgoune et, et des milieux, justement, nationalistes juifs les plus, les plus virulents dans Jabotinsky. Voilà. Et donc, tout ça a conduit à, euh, à nouveau un jeu diplomatique avec des alliances de circonstances. Il n'y a pas d'espèce de, 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 de fil directeur. L'histoire est beaucoup plus à la fois complexe et variable et friable que ce que vous pensez. C'est-à-dire que les alliances se font et se défont en fonction monsieur, de monsieur circonstances. – Alors, les années 20, années 30 préparent la création de l'État d'Israël. Création de l'agent juive en 1929. Et d'ailleurs, vous avez des représentants au sein de l'agent juive comme Léon Blum. C'est intéressant de voir. C'est un fait historique. Et d'ailleurs, petite remarque, la Haganah, donc la... L'armée, entre guillemets, oui, euh, juive de l'époque, il y avait une section qui s'appelait Comité d'Action, qui était le service d'espionnage, qui avait son siège à Londres. Il a migré à Paris en 1936, sous la direction de Léon Blum. J'ai mis le document hein, d'origine. Ah oui, documents qui viennent euh, du mémorial de la Shoah. Pour vous dire, comme je ne m'amuse pas à prendre des documents de Mémorial de Shoah, sous direction, alors je ne sais pas s'il si est toujours au pouvoir actuellement, sous direction de Francis Nicosia, le patron de Mémorial, Mémorial H.O.A. Le patron pas... actuel. Alors, je ne sais pas s'il y a encore, mais à l'époque, quand j'ai fait le bouquin, il était à la tête de, du Mémorial de la Shoah. Donc je ne peux pas dire que j'invente et je viens. Je... Comprenez, je cherche à utiliser des documents les plus sérieux et ne pas tomber dans le délire de certains. Plus les documents du Yiddish Rundschau, le journal de la Fédération sioniste, ou encore les travaux passionnants d'Ehud Avriel, qui, a écrit, qui, a été, euh, qui était un juif autrichien à l'origine dans les années 30, et qui a écrit un bouquin en 1975, euh, Open the Gates, préfacé par le premier ministre israélien de l'époque Goldamer, où il rapporte, euh, page 29 de son livre Open the Gates, que la représentation sioniste à Vienne, rue Marquerel, était située exactement en face du siège de la Gestapo et qui prenait rendez-vous pour discuter du flux migratoire de juifs formés aux techniques agricoles et horticoles en direction de la Palestine qui était sous mandat britannique. Alors, je rappelle une chose, dans les années 20, bon, le premier euh, commissaire c'est Herbert Samuel, juif anglais, dont l'oncle Montagu était copain avec euh, théodore Herzl, c'est toujours euh, une filiation. Vous avez eu trois euh, livres blancs, 1922 Churchill, 1929 euh, Lord Passfield, qui en fait euh, s'appelait Sidney Webb, le fondateur de la société Fabienne. Un institut mondialiste par excellence. Et 1939, euh, Livre blanc de McDonald's. Et en fait, vous avez un flux migratoire qui va sur, euh, juif en direction de la Palestine qui va surtout euh, s'accélérer dans les années 30 en raison de l'accord de, de la Havara et de l'envoi, mais muni d'un certificat, ça a été fait d'une manière très sérieuse, de ces juifs germanophones, ce qui fait qu'au début des années 20, vous aviez environ 150 000 juifs à vivre en Palestine sous mandat britannique et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, environ 450 000. Et tout ça, aux grandes dames ben, des Arabes qui voyaient peu à peu le territoire fractionné et le territoire euh, des territoires qu'ils perdaient, entre autres agricoles. Et il faut euh, rappeler une chose, je pense à un écrit très intéressant du patron de l'Anti-Defamation League de 2001 qui s'appelle Abraham Foxman, qui a expliqué que l'Allemagne nazie a injecté, alors, par différents canaux, du fait de cet, de cet accord à Havara signé en août 1933, qui se termine en avril 1941, environ 1,4 milliard de dollars. Je ne fais que citer, d'ailleurs j'ai mis la référence dans le bouquin, les propos de Foxman. Et c'est ça qui a créé l'embryon de l'économie israélienne. Cette coopération entre les nazis sionistes, coopération qui était malgré tout. C'est quoi les, les nazis sionistes uh, Les nazis à partir de 1933 et les dirigeants sionistes allemands, je précise tout de suite. Émaillé aussi de tensions. Ça n'a ça pas toujours été. Euh, mais ils ont quand même tenu jusqu'en avril 41. Euh, il faut savoir euh, que vous avez eu, et que c'est quand même révélateur, c'est sur la couverture du livre, une médaille commémorative qui a été frappée recto verso de l'étoile de David et de la croix gammée. Ça, ça vous l'avez trouvé où Alors, vous l'avez sur, sur les services numismatiques, euh, français, européen, peu importe. Qu'est-ce que c'est Je ra rappelle très rapidement, vous avez eu un SS... après, après euh, Serge... Un SS qui s'appelait euh, Léopold von Milenstein, qui, avec son épouse, accompagnait un autre couple la sioniste, la fédération sioniste allemande ils s'appelaient Court-Tourleur, et ils ont se sont baladés ensemble les, les, euh, en Palestine pour voir euh, l'installation de ces Juifs dans euh, dans ces kibbutz et je tiens à préciser une chose ça, euh, je fais une petite incise donc ces ces trucs collectivistes le premier kibbutz n'a pas été créé en Israël le premier kibbutz a été créé en 1939 en Allemagne nazie et on le sait grâce à Pino Ginsburg. Et je rajoute ce petit élément, suite à son retour, donc, Miedenstein en Allemagne nazie, en 1933-1934, eh bien, il va faire plusieurs articles, rédiger plusieurs articles dans la revue der Angriff, qui est donc euh, la revue dirigée par Goebbels, et Goebbels est tellement satisfait de ces articles eh qu'il va donc frapper cette médaille commémorative. Un nazi se rend en Palestine et nous le raconte euh, et dans l'Anne Griff, le journal de Goebbels. Sarche d'arbuche, concluez. Oui, enfin, euh, répondez euh, euh, et ce, ce sera la alors, conclusion oui, non, là, de, ce, de, ce, de cette partie. D'accord, mais là c'est important, donc je voudrais avoir quelques minutes. Pour Allez, vous avez 4 minutes. A, quatre minutes on a eu euh, des échanges assez cordiaux et détendus. Ouais. Bon. Mais permettez-moi de vous dire que là on est vraiment au cœur de ce qui ne va pas dans votre raisonnement. Et ça rejoint un peu. Que... Euh, euh, pas bon, d'invective, s'il mais... vous plaît. Ah non, 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 non C'est ben, un... pas, voilà, voilà, hein, voilà, bon, pas mon cas. pas mon cas. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec un raisonnement et on, on est au cœur de. J'ai indiqué, j'ai sur le fait qu'on prend un micro détail pour en faire des lois. Alors l'accord de la Havara dont vous semblez dire que c'est comme, comme si c'était pratiquement euh, ce qui a déterminé les relations entre juifs et nazis, mais pas du tout. Enfin, ce qui a déterminé entre les relations entre juifs et nazis, justement, on, on, c'est l'hostilité, l'animosité totale. Alors d'où ça vient cet accord Je Non, D'où ça vient, c'est d'accord. Il faut quand même préciser les choses. Bon, en fait, ça renvoie d'ailleurs à des analogies avec ce qui a pu se passer dans la monarchie française au XIIe et XIIIe siècle avec euh, Philippe Auguste, Philippe le Bel, Charles VI, ou à d'autres moments de l'histoire. C'est-à-dire que en fait, il y a une espèce de, de réaction d'animosité mutuelle. Les Juifs, quand Hitler arrive au pouvoir, parce que Mein Kampf, c'était quand même un texte très violemment antisémite, ils voient un ennemi qui arrive au pouvoir, avec des intentions qui sont quand même extrêmement néfastes pour les Juifs. Donc, qu'est-ce qu'ils font ils essaient de faire un peu comme BDS fait au, contre Israël aujourd'hui. BDS, BDS c'est ceux qui veulent le boycott des, des produits israéliens, d'accord Eh bien, ils essaient d'obtenir un boycott des produits allemands. Bon. Et de la même manière que Philippe Auguste ou, euh, ou même Saint-Louis ou Philippe Lebel ont euh, pris des mesures contre les Juifs et ensuite ont négocié d'une certaine manière avec les Juifs pour c'était une espèce de, de rançon qui était faite, c'est-à-dire que les juifs pouvaient en fait euh, avoir la vie sauve ou continuer à exercer leur culte leur cul jusqu'à ce qu'ils aient été définitivement expulsés, et eh bien c'était une espèce de rançon, c'est-à-dire que les allemands ont décidé, parce que l'économie euh, du Reich était quand même dévastée aussi par euh, la, guerre, la crise des années 30 et par la situation ensuite par euh, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, pour essayer de relancer l'activité économique et reprendre la main, Hitler a cherché de l'argent D'accord, et les nazis ont cherché de l'argent, et donc ils ont fait chanter les juifs. Et d'un autre côté, les sionistes, le... mais ils l'ont. Bon, l'idée, c'était l'accord de la Havara, c'est de dire, ben voilà, vos biens sont saisis, d'accord. Si vous acceptez la saisie, vous pouvez, on vous laisse partir en Israël. Ce que les sionistes, pour protéger les juifs allemands et par intérêt politique aussi, et ont évidemment accepté. Ce pas parce que vous êtes deux ennemis quand vous passez un deal que vous êtes d'accord. C'est simplement un deal entre deux ennemis. D'accord Et donc, Mais ils ont existé. accepté. Mais, oui, bien sûr, ça existait. Mais il oui. y a eu 60 000 juifs au total qui ont quitté l'Allemagne, plus ou moins grâce à ça. Beaucoup plus qui ont quitté l'Allemagne pour d'autres raisons et vers d'autres horizons qu'Israël. Beaucoup plus. D'accord Donc, et. La contrepartie, c'était que une fois qu'ils étaient en Palestine, eh bien, ils étaient compensés des biens qui leur avaient été saisis par des importations de produits allemands. Donc c'était un deal entre deux ennemis pour faire un échange de bons ou mauvais procédés pour les, les sionistes ou les juifs, c'était sauver la communauté juive allemande qui était en, aux mains d'un dictateur affreux qui vouait qui vou, qui les vouait euh, qui leur mort et euh, d'autre part, les nazis s'étaient gagné de l'argent et tout ça a progressivement été Complètement submergé par d'autres facteurs qui sont bien plus déterminants, c'est que la haine l'a emporté. Il y a eu la nuit de cristal en 1938 avec des dizaines de milliers de morts, la mise à sac de pratiquement toutes les synagogues d'Allemagne qui, qui existaient pour certaines depuis plusieurs siècles, et puis ensuite ça a été la conférence de Wannsee et la Shoah avec 6 millions de morts. Donc, un, ce que je voulais vous dire, c'est que cet accord de la Havara. Alors, cette, cette médaille. Bon, pas, cette, oui, cet accord. Bon, c'est un épiphénomène vous ne pouvez pas décrire les relations entre israël ou les sionistes et l'allemagne nazie par ce truc qui n'est que quelque chose de marginal quant à la médaille en question mais c'est vraiment une espèce de médaille commémorative qu'on en fait euh, tout le temps par, de par le monde c'est à dire bon bon par exemple vous êtes directeur de je sais pas moi de des assurances du mans vous partez à la retraite et si vous avez bien servi les assurances du mans eh bien on va frapper une médaille à la monnaie de paris à votre effigie avec à votre nom donc, il faudrait cesser de considérer que. Alors, malheureusement, vous mettez ça en couverture de votre livre. D'accord Eh bien, oui, mais ça, vous ne pouvez pas mettre en couverture de votre livre sur un sujet qui est quand même fondamentale, quelque chose qui représente mais je ne sais pas moins un milliardième du problème un milliardième du problème c'est pas parce que quatre individus se sont baladés en Palestine à certains moments et qu'ils ont frappé une médaille dans une Attendez. dans un contexte dans un contexte où c'était quand même une espèce de paix armée d'accord parce que les uns voulaient pro, protéger les juifs et, et les envoyer en Palestine les autres voulaient gagner gagner de l'argent comme ça s'était fait au XIIe ou au 13e siècle et bien vous pouvez pas inférer de ça ce qui s'est produit en Europe entre juifs et nazis est considéré qu'il y avait une espèce de pacte du diable entre sionistes et nazis, parce que ce n'est pas du tout le cas. Il y avait, une, il y avait un accord circonstanciel qui, qui a concerné un juif sur cinq Alors, j'aimerais vraiment une minute trente, parce que… – Ah oui, mais il faut quand même que je réponde à, à ça. Bah, – Répondez à ça en une minute trente, parce qu'après il y a une troisième oui. partie qui est importante quand même. Allez-y. – D'abord, rappeler que les sionistes en Allemagne étaient minoritaires. Déjà ça. Il y a eu, pourquoi cet accord Parce que les nazis, bon, j'apprends rien, antisémites, voulaient se débarrasser des juifs. Mais les sionistes allemands se considéraient, ben, peut-être euh, sympathie à l'égard de langue allemande, de sa culture, etc., c'est d'accord, mais pour eux, le territoire véritable, c'était la terre d'Israël. Et donc, il y a eu cet accord pour « vous, les nazis, vous voulez de vous débarrasser des juifs, nous, les sionistes, on est d'accord, mais il va y avoir euh, cette alliance ». Mais je précise bien les sionistes parce que vous avez eu des factions juives violemment opposées aux sionistes. Je pense à Samuel Untermaier et je pense en particulier à cet article du Daily Express du 24 mars 1933. J'ai eu l'original à la bibliothèque François Mitterrand pour tout vous dire. La Judée déclare la guerre à l'Allemagne. J'ai mis euh, le, le document d'origine. En fait, vous avez une guerre et les sionistes allemands ont été en guerre avec d'autres factions euh, et ça a été un élément clé. Pourquoi Parce que c'est ça qui a créé le noyau de l'économie israélienne en 1948. J'ai mis un document du Yudi Runchao de juillet 1933 qui est très intéressant. Ce sont les relations commerciales entre l'Allemagne nazie et la Palestine, sous mandat britannique de janvier à juin-juillet 1933. Euh, la Palestine exportait, euh, exportait essentiellement des agrumes. Bon, mais l'Allemagne-Nazie exportait tout ce qui est le matériel classique, mais d'une Germany. C'est intéressant de voir une chose, c'est que l'année, euh, on est suite à la crise de 1929, l'économie allemande est à 6, 7 ou 8 millions de chômeurs, crise énorme, les exportations allemandes dans le monde de janvier à juin-juillet 1933 s'écroulent partout, sauf en direction de la Palestine. C'est-à-dire que dès le début... Les exportations allemandes explosent à peine Hitler arrive au pouvoir. Et je rajoute un autre élément, le fameux accord de la Havara, qui, je le répète, va être l'élément clé qui va permettre de créer le noyau de l'économie israélienne en 1948. Cet accord de la Havara, ce n'est même pas le nazisme qui l'a commencé. C'est la République de Weimar. Et ça, je suis tombé des nues. C'est en 1932 qu'il y a eu un représentant de ce, de ce milieu des affaires juives qui s'appelait Sam Cohen. Qui a traité avec le chancelier Brüning. Mais là, ce n'était pas pour des raisons raciales, de haine pro- ou anti-juifs, ce n'était pas ça, c'était pour des raisons purement économiques. Parce que l'Allemagne fermait, euh, verrouillait euh, l'affût des capitaux, et pour les juifs qui voulaient euh, s'installer en Palestine, il y avait des problèmes. Et l'Allemagne nazie n'a fait qu'amplifier le problème, euh, enfin, plus exactement, amplifier la situation pour permettre bah, de se euh, débarrasser des juifs et les sionistes était entre guillemets ravi, je mis des guillemets vu la situation tendue de l'époque, euh, de ce phénomène. Pour vous dire euh, du caractère très intéressant de la psychologie de cette époque, j'ai mis, euh, un bah, vous avez ça dans le livre, un document du Yudish Chao, je vais le mettre, je vais le, le présenter, qui date euh, d'avril 33. Il est au pouvoir en, depuis peu de temps, il impose l'étoile jaune, etc. Eh bien, l'article premier du Yiddish Rundschau, c'est « Tracke mit Stolz den Gelben Fleck portez -la donc, ».« Portez-la donc avec fierté, cette marque jaune. » C'est intéressant. Alors, une minute, une minute. Non, non reconnaissez. Simplement, en fait, mais je précise, euh, il y a une rivalité, mais il y a eu quand même une alliance… Avec des creux de vagues. Il y a eu des. c'est ce que je raconte. Il y a eu des creux de vagues, mais cette alliance bah, euh, a duré. Une... Oui, bon, enfin, -la... on 41. Bon, voilà, ah, Si vous voulez avec... la porter là avec fierté. Ah avec bah, c'est le. L'étoile jaune, oui, oui, mais y a... je ne sais plus qui a dit marcher avec fierté vers l'échafaud pendant la Révolution française aux aristocrates. C'est à peu près du même niveau. Enfin bon, c'est presque de, de l'humour macabre. Donc, euh, voilà, bon, euh, c'est assez curieux à nouveau, parce que vous, vous dites, voilà, il y a une espèce de, 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 de deal global oui, hein, hein, voilà, alors... entre sionistes. Euh, et euh, et nazi. En même temps, vous dites qu'il euh, y avait des factions importantes euh, de, de chaque côté, en particulier dans les milieux qui étaient contre. Donc, euh, non, oui. c'était. Je, je me permets faire 30, bon. 30 secondes. Il y a une rivalité y a, y a un problème oh, de... entre Sam Cohen oui, et mais, Arlo Sauré, oui, oui, mais... qui d'ailleurs sera assassiné en 1933. Il faut arrêter, c'est pour vous montrer les de... rivalités internes. Mais il faut éviter à nouveau de multiplier les cas particuliers comme mais ça et les exemples. C'était Les, les chefs. exemples particuliers, parce que ce, qui était compte, les c est, c est, ce sont quand même les forces fondamentales. Les forces fondamentales c'est quoi c'est que c'est un accord destiné à euh, troquer des vies vous voyez contre des euh, et de, et de la liberté contre de l'argent c'est tout ni plus ni moins de la même manière que au 12e des éléments siècle, race, de, racistes, et de la même manière de la même manière bah oui bah, les nazis et voilà France, alors et l'étoile jaune et l'étoile jaune ça n'est quoi ça n'est que la ressucée de la rouelle qui a été imposée par saint louis d'ailleurs par saint- louis et pas par un autre hein, aux juifs c'est à dire une espèce vrai, de ça ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, bon. je vais répondre à M. Federbush pour un petit quelque chose. Euh, en 1242, Saint-Louis a fait euh, brûler euh, devant l'hôtel de ville actuel, euh, place des Grèves à l'époque, à peu près 20 000 Talmuds. La mémoire longue de, de, du milieu juif est toujours très intéressante, parce que lorsque vous êtes actuellement donc, devant, devant l'hôtel de ville de Paris, que vous avez en face de vous l'horloge murale, sur le sol, vous avez... Gravé sur le sol, un rectangle qui fait, je sais pas, 10, 12 mètres de long, 7, 8 mètres de large, qui représente d'une manière stylisée le bateau, la ville de Paris, le symbole, donc la, la coque, et de manière stylisée le, le mât et les cordages en ligne droite. Eh bien, regardez ça, faites le tour, et avec l'hôtel de vie dans le dos, regardez ça à l'envers. En fait, c'est une menorah qui a été mise à l'époque de la, quand Chirac était maire, et en fait, à l'endroit où les 20 000 Talmuds. Ont été brûlés. Ça s'appelle une mémoire longue. Vous non, connaissez l'hôtel de ville parce que vous étiez candidat à, à la mairie de Paris. Oui, alors. C'est bon. ah bon. purement euh, descriptif ce qu'on de Je pense que c'est. Euh c'est révélateur. Soit tout à fait anecdotique. La nef de Paris, la nef de Paris, c'est quoi La nef de ça vient en fait des nôtres, de la corporation, des bâteliers. On a retrouvé d'ailleurs les pirogues, les pirogues à Bercy, les pirogues de Bercy. Tout ça, bon. Et la stylisation, ça peut être un pur hasard. Quand vous voyez ça à l'envers, c'est bon. Non, non, ça, je vous dis, c'est un pur hasard. La place, alors il vous parler techniquement. À l'envers, c'est une menorah. J'avais mon but. À un moment dans l'hôtel de ville et on voyait directement la place en question. Bon, donc, je crois connaître un peu les lieux. Ça a été complètement réaménagé, effectivement, sous Chirac. Et selon la volonté, selon la volonté et les dessins d'un couple qui avait absolument rien à voir avec le judaïsme, qui était un couple de gens délicieux qui s'appelaient les Lalanes, hein, François-Xavier Lalane et Claude Lalane, qui ont fait... l'aide les... du chanteur Rien à voir, rien à voir. Bon, enfin, en tout cas, pas que je sache. C'est des grands sculpteurs animaliers en particulier, des grands sculpteurs de l'art topière. Ils avaient fait deux trucs qui existent encore. Il y a deux espèces de euh, d'édifices avec des boules en buis, vous voyez, voilà. Et tout ça, c'est le dessin des lalanes Et ça m'étonnerait beaucoup que cette espèce d'idée de, de, d'avoir une, une ménora. Inversée ah non, à cet ça, je vous le dis, c'est bon, voilà, une ménora, mais il n'y a bon. aucune, y a même, c'est même pas mais, un reproche. Oui, enfin, bon, c'est bon, un constat. C'est une ménora. mais c'est quand même mais une, une espèce, espèce de. Mais, oui, de mais c'est une focalisation, mais non. Ça bah, dire... mis à l'endroit où le, les Talmud ont mais, été brûlés. Enfin, ça m'étonnerait précisément. Mais la place de grève, à l'époque, n'avait mmh. pas du tout la même taille et la même fille oui, C'est le lieu géographique. Il y avait la milieu, au départ. Non, non, non. Ah, mais, si. mais, mais, Qu'est-ce qu'était la place de grève pour ceux qui nous C'est Ce qui s'appelle plus ou moins la place de l'hôtel de ville aujourd'hui. Mais ce n'était pas tout à fait au même endroit. C'était beaucoup plus petit. Il y avait ce qu'on appelait la maison aux colonnes, qui était le siège de la municipalité parisienne avec un architecte qui s'appelait le Bocador qui était venu euh, d'Italie et euh, qui était un édifice Renaissance et puis il y avait d'autres bâtiments progressivement ça a été il y a un hôtel de ville a été construit dans ces différents bâtiments c'était plus proche de la Seine et c'était légèrement plus en retrait tout ça a été modifié à plusieurs reprises c'était l'endroit où on exécutait les gens hein, très largement il n'y avait pas que là les gibets. bon le gibet principal était à Montfaucon c'est-à-dire dans ce qui est le dixième arrondissement d'aujourd'hui mais il y avait bon c'était là où il y avait les exécutions les plus Notable, où, où on tuait par exemple les régicides ou tentatives de, de régicides. Bon. Mais ça n'avait pas du tout la même configuration. C'est un lieu palpitant de Paris où il y a beaucoup d'histoires. Mais euh, être capable, être en mesure de dire à quel endroit les fameux talmuds auraient été brûlés mais ça me semble alors, complètement alors, délirant ça me semble programme. complètement délirant on, évidemment, Vraiment 30 on secondes. on ne sait pas, pas. Que, on sait pas évidemment mais à sûr, 3 mètres heureux de vous l'entendre dire on ne sait pas attendez attendez même à, 15 15, mètres, je, je euh, bon, à 15 mètres... Ou à, à 15 mètres, à 15 mètres. on sait que c'est à peu près le périmètre là là ou là alors, mais en gros ils que, ont mis ça à l'endroit où, dans la zone. est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir le temps ne serait-ce que de 10 minutes à 15 minutes pour parler de la troisième partie euh, sur Israël, est-ce que les Israéliens sont euh, légitimes ou est-ce qu'ils sont colons dans ce qu'on appelait à l'époque la Palestine, est-ce que ça vous pensez qu'on peut le faire en 10-15 minutes Oh mais bien sûr Allons-y, enfin, me... Allez, Allez allons donc on va, on va aller sur ça mais avant bon. ça euh, les, le, euh, les petites annonces Économie Politique Expertise En version papier votre revue mensuelle Géopolitique Profonde est disponible avec des auteurs experts. Frank Pengam, spécialiste en finances décentralisées. Marc Gabriel Draghi, juriste. Andy Bussaglia, conseiller en gestion de patrimoine. Cliquez sous la vidéo pour avoir accès à votre revue merci à vous d'être si nombreux près de 6000 personnes entre x et youtube vraiment un très très beau débat euh, vraiment je suis vraiment fier de, de l'animer avant ça n'oubliez pas euh, de, euh, de, de vous abonner à la lettre de je pot de ce mois ci spécial bitcoin donc euh, voilà vraiment on a le 10 15 minutes parce qu'après j'aimerais vraiment parler aussi de, de, de vos livres et faire encore la promotion de vos livres euh, les Israéliens, aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils euh, sont légitimes sur la terre de, la terre de Palestine Qu'est-ce bon. que vous en pensez Moi, je crois qu'il faut éviter de trop réduire la politique à la morale. Donc il y a une légitimité historique indubitable puisque quand même c'était euh, voilà le lieu du temple euh, du premier temple puis du deuxième mmh. ils ont été mais les gens ils se posent ces questions, hein. oui oui mais voilà. bien sûr bon bon il y a une légitimité historique indubitable ça euh, avec euh, les prières qui dataient d'ailleurs du premier exil à Babylone sur le fait de revenir à Jérusalem c'était euh, bon il y a eu des, une émigration vers la Palestine euh, ou euh, la Terre Sainte, comme on disait plutôt à l'époque, euh, qui a constamment émaillé tous les siècles et qui n'a pas commencé au 19e et euh, ou encore moins au 20e siècle. Donc, tout ça, on peut considérer que c'est une forme de légitimité. À côté de ça, bon, il y a effectivement un projet politique qui, est, euh, qui heurte. Le fait que les Juifs étaient ultra minoritaires sur, même s'ils étaient quand même nombreux à certains endroits, dans le premier recensement ottoman au XIXe siècle, quand c'était encore sous domination ottomane, hein, avant la guerre de 14-18, eh bien les Juifs étaient majoritaires à Jérusalem, parce qu'il y en avait eu toujours qui s'étaient installés. Donc ça aussi, c'est un élément de légitimité. Ils ont toujours été, autant qu'on sache, majoritaires à Jérusalem. Bon. Donc euh, voilà, maintenant ça vient, ça a heurté. Les, euh, la volonté des Arabes de ne pas aller voir arriver, qui s'est nouée, d'ailleurs, au début du XXe siècle aussi, au départ, ils étaient un peu différents, puis ensuite, quand il y a eu le nationalisme arabe qui a monté, eh bien, ce n'est pas d'ailleurs un nationalisme palestinien, euh, le grand moufti de Jérusalem, il n'était pas spécialement palestinien, il voulait les, la création d'un grand État arabe, d'accord Donc, euh, c'était ça qu'il qu voulait, donc, à ce moment-là, il y a eu un conflit, Territorial, un conflit de, 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 de foyers, un conflit nationaliste entre juifs et arabes. Donc euh, les, les arabes peuvent considérer, de leur point de vue, que ce sont effectivement en grande partie des envahisseurs, ce qui est, bon, ou des colons, c'est pas totalement faux, faux à ceci près qu'ils ont quand même acheté leur terre, la plupart du temps, 99 fois sur 100, à des arabes qui la leur vendaient. D'accord. Donc, ils avaient aussi cette forme de légitimité. Et puis, à côté de ça, euh, des, euh, des Arabes qui étaient là et qui euh, ont joué souvent un, un, jeu de, un, un double jeu, parce qu'au même moment où ils disaient Eh bien, on ne veut pas de juifs ils vendaient les terres ils étaient quand même très hypocrites. Il y avait quelques clans le monde palestinien était en fait organisé en clans. Des et quelques autres, et ils avaient un, en fait beaucoup d'hypocrisie dans le traitement de cette question. Et donc les Juifs sont arrivés en achetant des terres, ils n'ont pas cherché à conquérir quoi que ce soit par la force. Il y a eu à plusieurs reprises des émeutes anti-juives avec beaucoup de morts, en 1929 en particulier, mmh. ou plus tard dans les années 30, avec des dizaines de morts, avec des abominations, d'ailleurs des, euh, des massacres un peu équivalents à celui qu'on a connu à Gaza en octobre dernier. En Israël, en tout cas à la frontière de, avec Gaza, donc voilà, donc c'est un conflit en, entre peuples. Alors mettre de la morale là-dedans, on peut en faire, mettre de l'histoire, c'est utile, mais il faut voir que il euh, y a un conflit entre peuples. Comme il y a un conflit entre polonais et allemands euh, sur euh, la Prusse euh, orientale, où pendant des siècles, eh bien, les polonais et les allemands étaient en conflit sur la Prusse orientale. Ça s'est terminé par quoi Par la deuxième guerre mondiale, où on a déplacé les allemands. On les a mis en Allemagne et les Polonais ont récupéré Gdansk, hein, Danzig, et puis il y avait plus d'Allemagne, à... il y avait plus d'Allemands dans cette bon, Allemagne. Bon, même, même chose à Prague, Prague était une ville plus, germano... bon, plus germanophone que, euh, que tchèque. Et pourtant, à un moment, après 45, finalement, il y a eu des déplacements de population et la question a été réglée comme ça. Ça arrive tout le temps dans l'histoire, il y a des conflits nationaliste et on est dans un conflit nationaliste. Quand même, pas oublier que certes, il y a pu y avoir des achats, de manière tout à fait légale, d'achats de territoire de la part des Juifs aux Arabes et aussi des Arabes qui ont été euh, expulsés manu militari de leur territoire. Le livre blanc de 1939 de mcdonald' vous avez les populations musulmanes qui sont vent debout contre ces expropriations. Et les Anglais pour essayer de calmer la situation. Propose un plan qui va en fait ne va pas voir le jour à cause de la Seconde Guerre mondiale, qui consistait à accepter entre 1939 et 1944 encore 75 000 juifs. Et en 1944, il devait y avoir une sorte de référendum auprès des populations musulmanes de Palestine et leur dire Acceptez-vous encore l'arrivée de juifs Croyez-moi, en 1944, les populations musulmanes auraient dit à 99 pour ne pas dire à 100 non, parce qu'ils se faisaient exproprier. Et il suffit de voir simplement l'évolution depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, les populations arabes, les territoires peuplés par ces populations arabes, n'ont fait que fondre au soleil. Je voudrais fait que fondre oui, au soleil. J'ajoute un petit élément à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le massacre des Israéliens suite à l'attaque du Hamas, euh, 7 octobre euh, 23. Euh, il ne faut pas oublier que dans ces massacres, il y a eu une part, et vous savez que les, les médias israéliens l'ont dit, une part aussi de ces morts due aux réactions des militaires israéliens qui ont tiré entre autres avec des hélicoptères sur des sur une population où se mêlaient à la fois les gens du Hamas et des Israéliens. Donc il y a eu une partie des 1200 et quelques morts parmi euh, euh, les, les, comment dire les personnes tuées, certains qui ont été tués par la réaction militaire israélienne. Cela n'enlève rien aux atrocités commises par le Hamas. Comprenez, mais il faut aussi rappeler que les Israéliens ont tiré sur leur propre peuple. Et donc, euh, ça, ça, je... donc bien. Ils ont compl... tiré sur leur propre peuple. Bah ben oui, vous avez la presse israélienne qui a raconté cela, que il y eu des hélicoptères qui ont vidé leurs chargeurs. Mais c'est euh, ce que je dis, il suffit de lire euh, à Areth, entre autres. Mais l'expropriation des populations musulmanes, regardez la situation en 1948 en Israël et la, la situation en 2024, ça a fondu comme neige au soleil. Voyons. La Judée Samarie, enfin, euh, Jordanie, quand même. Alors, je bûche. pense que vous faites une confusion, je ne sais pas si elle est volontaire ou pas, sur le terme d'expropriation. Bon, L'expropriation en question, c'est quoi C'est que des gens achetaient des terrains, ça, vous pouvez pas... Certains, faire oui. Et ouais, puis bon. ensuite, il y en a qui voulaient se maintenir. Et donc, c'est comme reprocher à quelqu'un, si vous, demain, euh, bon, dans le droit français, si vous achetez un appartement, d'accord, occupé, dans le droit français actuel, et que vous voulez vous y installer, une fois que vous êtes propriétaire, vous avez le droit d'obtenir l'expulsion. De, bon, et puis si le type se maintient à l'intérieur, et ben ça devient un squatter mmh. C'est le droit vous achetez un terrain pour voilà qu'on vous vend. Et ensuite, si les gens ne veulent pas partir, ils sont expropriés, mais ils sont expropriés parce qu'ils veulent pas partir alors qu'ils ont vendu le terrain. Bon, donc il faut quand même faire attention aux mots qu'on emploie. Il n'y a ensuite, plus des musulmans avoir des terres, être propriétaires de terres ils jamais faire, 99, et jamais se faire avant jamais se faire expulser avant, de force avant, 1914, jamais, mais avant avant 1948, Je doute fortement. mais bah c'est pas avéré. A ont été à la porte mais, comme des avant 1948, avant 1948, il n'y avait pas d'État d'Israël et les Juifs n'avaient aucun moyen juridique d'exercer une contrainte physique sur les Arabes. Bon, ils achetaient des terrains, les Arabes voulaient pas partir. Alors il pouvait y avoir des heurts, comme de la même manière, si vous êtes propriétaire d'un appartement et qu'on vous le squatte. Il eh ben, y en a certains qui font des procès, qui gagnent, qui ne gagnent pas. Et généralement, ça prenait beaucoup de temps avec les Britanniques. Et puis, il y en a d'autres qui finissent par s'énerver et qui vont prendre les, les, les affaires de celui qu'ils considèrent comme illégitime désormais parce qu'il a vendu l'appartement et ils vont les foutre à la poubelle. Ça arrive aussi, ni plus ni moins, en, jusqu'en 1948, en l'absence d'État d'Israël. Il ne pouvait pas y avoir ce genre de phénomène. Bon, alors maintenant, on Exactement. peut... Bon, euh, oui, oui, c ou en tout cas ça devait être ultra marginal pour des raisons juridiques simples. Il n'en avait pas la possibilité. Et il y, plus... y avait une telle bon. pression arabe contre les contre les juifs qui arrivaient? – Il y, a il y avait ce... un nationalisme. – Pourquoi il, il se eu... parce, non, que... Mais... Pourquoi mais parce que. et pourquoi Macdonald voulait alors, organiser ce référendum, celui qui, est le, non, bah, qui alors, était dirigeant pour, non, pour le, traité blanc, le livre blanc le 39 vais... et ça devait être clos en 1944, autant vous dire que les sionistes de l'époque étaient vent debout contre cette mesure, qui n'a pas eu lieu à cause donc, de la Seconde Guerre mondiale, euh, mais en 1944, les musulmans auraient voté à Alors je vais vous court. répondre parce que là on est au cœur du sujet de l'antagonisme la ni... entre juifs et arabes justement en Israël. D'abord, il y avait bon effectivement toute cette question de, des expropriations bon. mais et du fait que ça enfin des expropriations du fait qu'il y avait des, des achats de terrain mais surtout l'antagonisme entre juifs et arabes n'a pas démarré avec Israël d'accord c'était c'est une fiction de croire que le statut Dibi, par exemple dans le Maghreb ou dans les autres pays musulmans était une espèce de parcours de santé que tout allait bien pour les juifs dans l'islam dans l'islam, et chez les Arabes, les Juifs étaient des gens ultra minoritaires, ultra minoritaires sur leur terre, qui avaient des droits inférieurs aux musulmans, avec un statut codifié qui était la, la d'habitude aux musulmans, Alors, bon, ou aux Arabes, enfin, aux, aux, aux musulmans. Euh, si vous n'êtes pas musulmans ils avaient, par exemple, sur, les noirs, dans le dar est ce qu'ils qu avaient dans, dans le dar, c'était juste les Arabes. Mais quand ils sont, non, 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 quand dans le dar, l'islam n'est pas que réservé aux Arabes. Oui, non, mais bien justement sûr. justement, une tendance prosélyte. Et aujourd'hui, la majorité des musulmans. Dans le monde, sont loin d'être des Arabes. Bon, c'est essentiellement des asiatiques. Non mais quand en Indonésie est... au Pakistan, est-ce que c'est est l'islam et euh, pas mal de Noirs aussi. Mais non. Bon. Donc l'islam, quand dans, sur la terre de l'islam, le Dar et Islam donne la préroga... des prérogatives sur les témoignages, en droit civil, en droit matrimonial, en droit des successions, dans tous les droits aux musulmans et donne un statut subordonné aux minorités qui sont plus ou moins bien protégées les juifs étaient très peu nombreux, très peu nombreux, et dans un état de soumission, d'accord En tout cas de, de, dans ce statut de, de, de dignitude. – Où ça quand, Au – Partout, partout, aussi bien dans le Maghreb qu'au Moyen-Orient, partout. Ils en, il y en avait à Bagdad, il y en avait partout, il y en avait en Égypte, qui étaient là depuis très longtemps, puisque la diaspora juive avait commencé même avant Rome, à Alexandrie ou ailleurs, dont on parlait, dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et quand vous avez des gens que vous êtes habitués à mépriser, à de, à qui vous donnez des droits inférieurs, qui tout à coup arrivent et demandent à avoir une égalité de droits et à pouvoir faire valoir leurs droits de propriété, en particulier sur, leur, sur les terres qu'ils achètent, eh bien, ça vous heurte. Donc, ce qui a heurté profondément le monde musulman dans ce qui s'est passé en Israël, c'est qu'il y a eu une minorité qui était considérée comme une minorité soumise, extrêmement fragile, privée de droits en grande partie et méprisée qui tout à coup, méprisé parce qu'il y avait une forme de mépris pour une toute petite minorité, et qui tout à coup réclamaient sur une terre qui était considérée quand même comme une terre musulmane de, de longue date par eux, puisqu'il y avait le, la, le, le sanctuaire d'Omar et puis la mosquée d'Alexa, et eh bien tout à coup ces gens arrivent et réclament une égalité de droit et la possibilité de, de s'installer dans des terres qu'ils ont achetées. Et donc c'est un peu la même, la même chose, toute proportion gardée, que... La répugnance que peuvent avoir aujourd'hui des gens qui n'aiment pas les Arabes ou les musulmans en France, vous voyez, à les voir réclamer des droits, les droits d'ouvrir des mosquées, etc. Bon, et ça peut se concevoir comme de manière légitime, ou à être possesseur de telle ou telle chose, alors que pendant longtemps ils étaient simplement une infime minorité. Et ça a contribué. Quand vous avez une minorité qui cherche à s'émanciper et qui devient euh, bon, euh, qui devient propriétaire et qui, de, qui acquiert des droits, en particulier des droits économiques. C'est très difficile, c'est très difficile, et à la limite de manière, ça ne me surprend pas. Je ne vais pas dire que c'est légitime, mais ça ne doit pas nous surprendre, qui ait une réaction de rejet et oui, même oui. de haine et même de haine. Bon, ah, mais c'est l'heure de, de nationalisme. Ah, Donc il ne faut pas non. y voir les bons, les méchants, les choses comme non. ça. Il faut voir l'heure de. Réponse de, réponse nationalisme. de Pierre la Réponse de Pierre Hila. Vous avez trois minutes. Euh, quand même, les musulmans de Palestine occupaient ces pays, enfin ce pays et ces territoires depuis des siècles. Bon, euh, qu'il y Ça, eu des... c'est très 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 contesté. Depuis des siècles, si si. Non. Qu'il y eut ensuite des achats, d'accord, très bien. Alors il y a une chose que je vais quand même rappeler, c'est que euh, le, le monde juif a bénéficié, euh, comment dire, enfin n'a pas bénéficié pendant un certain temps de l'appui de l'Église catholique. Il y a le fameux, la fameuse visite d'Auteur de Herzl auprès du pape saint piedis et il y a un refus complet de la part des autorités de l'époque, le fameux non posumus pour encourager une immigration juive en direction de la Palestine pour ne pas créer un chaos avec les musulmans. Rappelez-vous aussi, je vous invite à lire un article très intéressant au début des années 1920 de Jacques Bainville sur le sionisme, où il évoque cette, entre guillemets, religion. Qui va flanquer la pagaille, selon son expression, enfin, pas le mot exact, mais l'idée est là, dans toute cette zone, du fait de l'arrivée croissante d'une population qui, inévitablement, va éjecter les populations musulmanes présentes. C'est pousse-toi que je m'y mette. Donc, tôt ou tard, ça ne pouvait que dégénérer en conflit. Reconnaissez, et ce qui se passe actuellement à Gaza, où euh, vous avez, je crois, dernière nouvelle, selon les chiffres, euh, je crois que c'est 26 000 morts, ce n'est pas les chiffres du Hamas que je cite, 26 000 morts, c'est une épuration ethnique qui se, se produit. Reconnaissez que c'est un comportement qui n'est pas digne euh, de la part d'un pays qui se prétend démocrate. Bon, alors, là, je pense que là, vous faites à nouveau euh, totalement erreur. D'abord, euh, dans, la, dans la dynamique démographique, de, de ce qui s'est passé en Palestine et ensuite en Israël. Il faut voir qu'il y avait à peu près entre 700 000 et 800 ou 000, 900 000 Arabes en 1948. Aujourd'hui, il à peu près dans le territoire du mandat. Euh, 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 oui. Britanniques de l'époque, qui sont à peu près 7 millions. Donc parler déjà d'épuration ou de disparition, ah, etc. Et mais bon, non, non, mais c'est ah, dans le territoire du mandat, c'est-à-dire entre euh, ce qui est justement Gaza, Israël et la Cisjordanie, ils sont passés de six, sept, les Arabes à 7 millions. Donc parler d'épuration ethnique, c'est quand même oui les Arabes, ar Mais si vous, mais, si vous euh, mettez en... bout à bout, si vous mettez bout à bout les Arabes israéliens, les Gazaouis. Et les Arabes de Cisjordanie, ils sont d entre 10 et 7 millions. Et ça, c'est le mandat britannique. Donc, comment peut-on parler d'une multiplication par 10 d'une population en termes d'épuration J'en doute fortement. Ils ont et été pourquoi, de leur Et pourquoi Mais non, non, non. Et, et pourquoi, et pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce qu'il y a eu un effet d'appel aussi, un effet dynamique. C'est-à-dire que la création d'Israël a abouti à, en fait, ce que des Bédouins, parce qu'une grande partie des, des Palestiniens, même à l'époque, étaient des Bédouins qui se sont sédentarisés à l'occasion du développement économique de cette zone. Donc, vous voyez que les choses sont beaucoup plus subtiles et qu'ils n'ont pas été virés comme ça. Et puis, troisièmement, Merci. si vous poursuivez votre raisonnement jusqu'au bout, bon. là, on était, ils étaient à peu près, euh, bon, euh, mettons, quelques centaines de milliers de Juifs hein, et plus, de, effectivement, d'Arabes palestiniens à l'époque. Aujourd'hui, si vous mettez juifs et arabes au total, ça commence à faire une population beaucoup plus considérable. Donc penser qu'il fallait à tout prix les éjecter, c'était autour de l'acte Jimimet parce qu'il n'y avait pas de place, mais c'est faux puisque euh, la population globale a été multipliée par plus de 10 ou 15 depuis. Il aurait pu y avoir une cohabitation entre juifs et arabes, que les juifs ont cherché à plusieurs reprises, s'il n'y avait pas eu de volonté systématique, parce que s'il y a une chose qui n'a jamais changé, et ça je vous l'accorde, c'est qu'il y a eu quand même depuis les années 20, pas avant, mais depuis les années 1920, un refus des nationalistes arabes de l'existence de l'État d'Israël. Alors, on va voilà. conclure. Et dernière bon, Alors, dernier on va vraiment point. conclure. Oui. Chacun a une minute pour conclure. Je suis vraiment désolé parce qu'en fait, on n'a pas le studio jusqu'à tard. Oui. Parce qu'ici, ça ferme aussi. Donc, euh, voilà. Allez-y, concluez une minute. Vous étiez sur ouais. votre lancée dans concluer. Oui, et après, ouais. Pierre Hilar. Oui, je pense que. Bon, alors, on n'a pas le je fin suis mot. Vraiment, je suis Non, désolé, mais on n'a pas le fin mot de ce qui va se passer là-bas. Mais en tout cas, euh, considérer que les Israéliens et les Juifs sont à l'origine des troubles, c'est vraiment totalement réducteur. Et qu'il y a une très, très grande part de responsabilité aussi des Arabes qui n'ont jamais admis l'existence de l'État d'Israël. Ils sont peut-être légitimes à le faire, mais en tout cas, ils le revendiquent. Ça ne leur pose pas de problème. Et ce que dit le Hamas aujourd'hui, c'est que de toute façon, ils voudront jamais la paix. Bon. Ensuite euh, considérer que... Bon, il y a quelque chose alors, je vais résumer moi ce que je vous... les reproches que je vous fais, parce qu'à la fin, bon, il faut quand même le dire. C'est justement de, de partir de cas comme ça, ténus pour en faire des généralités qui sont complètement hors de propos et qui ne peuvent s'expliquer que par une espèce... De, de, pas d'animosité, mais en tout cas de méfiance, je dirais, vis-à-vis -vis du judaïsme qui parcourrait en fait toute son histoire, qui voudrait se venger de, de Jésus, qui aurait en fait euh, du christianisme, qui serait en conflit d'abord avec les chrétiens, qui serait en conflit maintenant avec les musulmans ou avec les palestiniens. C'est pas du tout ça. L'histoire est beaucoup plus complexe. Il y a des facteurs à chaque fois déterminants. Ça varie avec les époques. Et ce qui favorise l'antisémitisme, c'est justement la réduction, c'est de prendre des petits exemples comme ça pour en faire des généralités, et votre propos qui a l'air étayé et qui est, bon, qui, qui part parfois de bonnes intentions, est à mon sens assez dangereux parce qu'il est frappé d'une grande, d très souvent d'une grande faiblesse intellectuelle qui fait non. que vous tirez des conclusions, vous tirez des conclusions, c'est pas polémique chez le droit, bon, vous tirez des conclusions et des généralités à partir d'exemples qui pour les relier ne sont fondées que euh, sur finalement la crainte Mais, que vous avez du judaïsme. merci beaucoup euh, alors conclué. Euh, Faiblesse intellectuelle, bon, j'ai quand même essayé de lire Gershop Scholem, ouais, le. Les rabbins… – c'est pas très bien de dire, Abraham, de, dire ce genre de choses. Le bah, rabbin Abraham Cohen. Mais, euh, non, on était bien le était du une belle ambiance. – Mais, mais, Amozeg… – J'ai le droit de ne pas être d'accord et de pointer les carences de d'autres raisonnements. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai quand même lu pas mal le rabbin Li Benamozeg, qui veut mettre en place un catholicisme d'Israël, d'ailleurs, dans le cas du noachisme, et bien d'autres travaux. Bon. En fait, et il y a une petite influence juive quand même dans l'Église, je vous rappelle le rôle des aides juives, d'un etc., congrès juif, etc., dans le cadre de Vatican II. La, la revue Look, j'ai publié l'original dans mon livre Atlas Mondialisme, qui a expliqué le rôle des juifs dans Vatican II, et le titre c'était « How the Jews changed Catholic thinking », comment les juifs ont changé la manière de penser catholique. Je vous invite aussi à lire les mémoires de Gerhard Reckner, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était le premier secrétaire du congrès juif mondial entre un tiers et un quart, un, un bon tiers, pardon, de son livre, de ses mémoires consacrés euh, au rôle des Juifs dans Vatican II. Très intéressant, avec le carnet d'Albéa. Vous avez 30 sens. secondes pour conclure, s'il vous plaît. Et euh. en fait, le truc, c'est que dans le cas du messianisme, il y a, hélas, une faction de ce milieu-là qui est pour le sacrifice humain. Et la création de l'État d'Israël, pour certains milieux, je, bien, je dis bien certains milieux, peut être considéré comme, la création de l'État d'Israël, comme un placement sacrificiel à long terme. Et le drame dans cette histoire, c'est que les musulmans sont des victimes, mais les juifs d'Israël seront aussi des victimes, car l'objectif de ce système messianique, enfin de cette pensée messianique d'essence satanique, c'est de créer un chaos complet dans cette zone, dans l'idéal tordu et pervers, ça je vous le dis tout de suite, de passer une étape supérieure qu'ils appellent gouvernance mondiale dans le cadre de la rédemption par le péché. Il y a même une expression sabbatéenne qui appelle ça les convulsions messianiques. Merci à vous, euh, chers messieurs. Euh, un débat quand même de, de très haute tenue, il faut, faut, faut aussi le dire. Je ne pense pas que d'autres euh, chaînes, même de télévision mainstream, aient eu ce type de débat. Euh, monsieur Pierre Hillard, docteur en sciences politiques. Ben, montrez Pierre. Euh, montrez le nouveau bouquin aussi, s'il vous plaît. C'est jeune, vraiment. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Oui, <laughs> bon, pas très cher. Hein, les mémoires pas... du, de Gontobiron, premier ambassadeur de France à Berlin en 1972. Où voilà. est-ce qu'on peut le retrouver Sur Book Edition. J'ai fait une longue préface. C'est-à-dire qu'on qu peut le retrouver euh, sur Internet en, en cliquant, en, en allant sur Book Edition, ou bien directement sur mon compte X ou euh, Instagram. J'ai fait une préface de plus de 40 pages et euh, je me suis appuyé en fait sur des documents maçonniques, entre autres, et sur euh, des lettres de Bismarck. Et en fait, c'est une photo du mondialisme de l'époque qui annonce l'Union européenne, la gouvernance mondiale. Et excusez-moi de vous le dire, mais dans le livre de Fritz Stern le, euh, euh, sur Bleischröder, qui était le conseiller financier de, de Bismarck, il explique que la révolution de 1848 en Allemagne, c'est Fritz Stern qui le dit, il n'y a que des Juifs. Je suis désolé, c'est. Je <laughs> n'ai pas fait exprès, bon, je ne fais oui, oui. que rapporter. Mais, merci. Mais... Alors, euh, je parle en, en tant que dirigeant. Alors, j'ai vu il y a que vous mateurs. appelez la Révolution française la Révolution messianique et vous expliquer que Robespierre était plus ou moins dans son enjeu. Non, non, j'ai non, non, enfin, bon, pas dit ça. Parfois, non, 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 J'ai repris ben, les archives parfois, israélites. Parfois, israélites, ça, bon, non, non, Oui, non, mais, mais quand ça on ça, va non, à Arras, on voit Archive, toute la généalogie non, de Robespierre. Non, non, on je suis on allé à israélite. qui pose qui n'affirme pas qu'il est juif. Bon. Ils disent il avait différents noms qui pourraient oui, peut-être et ça ne va pas plus loin. On bon. on je m'amuse pas non, non, la paranoïa je m'abuse non non, non, non le débat est fini voyons archifelis c'est la référence Serge Derbuche merci à vous Serge Fedarbuche Le Sabre et l'esprit comprendre le nouveau désordre mondial aux éditions de Passy chez notre ami Francine Giron euh, il sort quand ce livre Bah normalement il sortira en septembre pour des seulement raisons. en septembre. Bah oui oui c'est pour tenir en haleine tous ces gens qui vont pouvoir ensuite se précipiter vers cette vers cet ouvrage pour l'acheter. En tout cas on, 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 bah, il sera en librairie. Ah bah j'espère bien oui il sera en librairie et puis voilà donc c'est la volonté comme j'ai dit d'entrée d'essayer de comprendre ces se heurt entre deux modèles d'État-providence de, 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 et de mondialisation à travers les siècles pour montrer que tout ça est structurant dans l'histoire humaine et que ne, ça ne date pas d'aujourd'hui de comprendre, du coup, les désordres actuels. Voilà. Merci à vous, euh, chers messieurs. Euh, vraiment, c'est un très très beau un débat de très haut niveau. Merci à vous, vraiment. Euh, merci à vous d'avoir été si nombreux, plus de 6500 personnes entre YouTube et X. En replay, je pense qu'il y aura encore énormément de monde euh, bah, continuez à nous soutenir, euh, n'hésitez pas aussi à euh, bah, voilà, en nous, vous nous soutenez aussi en euh, vous abonnant à la lettre de géopolitique profonde euh, demain soir il y aura madame Sophie Audugé euh, porte parole de SOS éducation on va parler de euh, d'éducation sexuelle à l'école on vous attend donc demain soir 18h30, passez une excellente soirée Et à demain, salut ciao